The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is Caballero? The Emperor of the Far West, when he dégaine his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il n'a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. La conquête de l'Ouest, c'est aussi l'aventure du rail. Des centaines d'ouvriers chinois furent embauchés pour ce chantier où leur savoir-faire était apprécié. Vous ne travaillez pas, vénérable collègue? C'est quand vous avez cloué mes modestes orteils sous ce rail, vigoureux comparse. Hein? Loin de chez eux, ils surent garder leurs coutumes intactes. Silicone carné ou paella, honorable charpentier? Des petites villes mobiles suivaient la progression du rail, où seul d'incorruptibles représentants de la loi pouvaient faire régner l'ordre et la justice. C'est un casse? C'est de la triche, shérif. Tu viens d'insulter la loi du Nebraska. Ici, les shérifs ont le droit d'avoir 5 as. Protégeant les faibles, veillant sur les maisons et les commerces. Administrant avec honnêteté les pittoresques quartiers chinois de ces nouvelles villes. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, honorable Li Chu? Décapitation ou noyade? J'adore la plaisanterie, vénérable visiteur, mais je crains que celle-ci ne me passe au-dessus de la natte. Vous n'avez toujours pas payé la taxe de protection. Et sans protection, vous risquez des ennuis, ce qui attristerait le dragon pourpre. À part les trois que j'ai devant mes humbles yeux, je n'ai pas d'ennuis. Dites au dragon pourpre que je me passe fort bien de lui. Nous reviendrons. Si vous ne payez pas, nous aurons la tristesse de vous débiter en morceaux de part égale. Dragon pourpre aime le travail soigné. Je vous exècre, honorable visiteur. Oh! Non, Chin-Chin, trop dangereux. Ces trois vermisseaux ont sûrement des armes à feu. Mais nous devons nous défendre, mon oncle. Je crains que tes talents soient inefficaces contre les balles. Il n'y a qu'un seul homme qui puisse nous aider. Qu'est-ce que tu fiches, Herb? Je compte mes doigts, j'aime bien. Et toi, Virgile? J'entends la mer. Eh ben, qu'est-ce qu'on se marre? Non, Tingles, c'est là. Mille pardons de troubler votre méditation, vénérables étrangers. Mais l'un d'entre vous est-il Licky Licky? Les gars, pensez-moi un pied tendre, un vrai. Ouais, on va en faire rigoler. Aucun de vous ne semblant être Licky Licky. Serait-ce un effet de votre inestimable bonté que de me dire où je pourrais le trouver? Ça suffit avec ton liski-liski. On commence par le classique. Tu vas danser, Coyote. Amusant rituel de bienvenue. C'est joli comme danse. J'aimerais bien apprendre. Va chercher le goudron et les plumes, on va voir si elle rigole encore. Ah ouais, et le goudron et les plumes, trop fort. Hey les gars, ça vous dit de danser? Moi aussi j'ai envie de me distraire. Te mêle pas de ça, Licky Luke. Licky Licky. Toi, on t'a rien demandé. Tiens, d'habitude c'est pour sortir qu'ils font ça. Je suis Chin-Chin, et très honoré de faire votre connaissance, Licky Licky. Tout le plaisir est pour moi. Je vous apporte un message de mon oncle Li Chu, qui s'honore tous les matins de l'amitié que vous lui portez.
C'est agaçant à force. Quand je vais boire, je n'attache pas mon cowboy, moi. Vous êtes le seul qui puisse l'aider, vénérable Licky Licky. Oh, amusant cette baguette solitaire. C'est une paille. Qu'est-ce qu'un dragon fait dans le Nebraska? Le Dragon Pourpre est une triade, une puissante organisation criminelle venue de Chine qui rackette les coulisses. Rentrez ou sortez, mais laissez cette fenêtre tranquille à la fin! J'ai toujours eu envie de visiter le Nebraska. J'ai toujours rêvé d'être cow-boy. Merci de m'avoir acheté ce cheval, vénérable Licky Licky. De rien, c'est quand même plus rapide qu'à pied. Il serait peut-être judicieux que vous m'instruisiez de votre science de l'Ouest, honorable Licky Licky. Arrête de rigoler, Jolly Jolly. Il était temps. Peekaboo n'est plus qu'à une cinquantaine de miles. Il vaudrait mieux ne pas attirer l'attention en arrivant en ville. Vos pensées sont plus sinueuses que le fleuve jaune. Où voulez-vous en venir, Licky Licky? Pour ne pas se faire remarquer au milieu de Chinois, il vaut mieux ressembler à un Chinois. Excellente idée! J'ai ici une tenue de rechange. Parfait! Mais pour ressembler à un placide blanchisseur du Yunnan, il vaudrait mieux cacher votre arme. Oh! Et là, j'ai l'air chinois, non? Un dernier petit détail. Un dingue. Je suis tombé sur un dingue. Jolly Jumper, arrête de rigoler. Tu vas perdre ta selle. Je sais pas le vôtre, mais le mien, c'est un dingue. D'abord, il se pend à mon cou et après, il me coupe la queue. Oh, le mien n'est pas mal non plus. Les citrons poussent à l'envers cette année. Et les abrutis sont sortis. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai mal entendu. Pardonnez mon élocution, respectable shérif. Je disais, attention, ça glisse. Ah, nous voici arrivés. Mon oncle, je suis de retour avec Licky. Hein? Disparu. Courage, Chin-Chin. Nous retrouverons ton oncle. Le dragon pourpre. Chin-Chin, je t'attendais avec impatience. Mon linge s'ennuyait de ta blanchisserie. Qui êtes-vous, vénérable? Wu Tang, chef des coulisses et vieil ami de Li Chu. Depuis qu'il est parti, la ville n'a plus rien à se mettre. Votre visite m'honore, respectable Wu Tang. Qu'est-il arrivé à mon oncle? Que lui a fait le dragon pourpre? Si tu tiens à conserver ton corps en un seul morceau, tu sais bien qu'il ne faut pas prononcer ces mots-là. Ah, oh, personne n'a vu les hommes du dragon pourpre par ici. Et vous? Mille pardons, respectable blanchisseur, mais je dois détaler et vous devriez en faire autant. Il n'y a qu'un moyen de savoir ce qui est arrivé à ton tonton. Je suis pendu à vos lèvres comme un buffle à une branche de cerisier, Licky Licky. Rouvrir la blanchisserie et les coyotes du dragon pourpre reviendront. Qu'est-ce que ça signifie? Licky Licky et Chin Chin, et quelque chose écrit en chinois. Alors ça ouvre? J'ai des 12 gamins qui attendent leurs caleçons propres.
C'est un beau costume, ça. Vous grandissez vite. Vous n'aimez pas? En été, vous serez au frais. C'est un massacre. Vous êtes la honte de ce métier. Honorable client, seul le temple céleste est parfait. Il est normal que les activités humaines ne le soient pas. Liki Liki, vous êtes un grand cow-boy mais un petit blanchisseur. Je ne compte pas faire carrière. Après une rude journée, le travailleur doit se restaurer. Si la bonté avait un visage, il vous ressemblerait, respectable Wu-Tang. Oh, à mon âge, les compliments glissent sur mon esprit comme l'eau sur le dos des poissons-chats. Vous avez dû faire une bonne recette. Li Chu serait fier de vous. Cette grande âme doit être serrée dans ce si petit corps de vieillard. Mouep. Comme disait le tigre au lapin, c'est l'heure. Soyez heureux. En échange de votre vile recette, vous avez droit à la considération sans prix du dragon pourpre. Merci d'avoir sauvé ma misérable existence, Liki Liki. Hey! Raté. Si on lui avait mis la main dessus, il aurait pu nous dire ce qui est arrivé à Li Chu. Malheur! Hein? Mais c'est mon citron à l'envers! Ah, vous faites erreur, shérif. Nous avons été victimes d'une tentative de vol. Moi, je dirais plutôt que vous avez agressé de braves travailleurs pères de famille. Et j'ai des témoins. Pas vrai, vous autres? Arrêtez-les, shérif Slicorn! Ils nous ont foncé dessus, c'est des fous dangereux! Je serais son chien, ce serait pareil. On n'a pas idée. Faire des nœuds de marin au Nebraska. Ainsi, vous êtes complice du racket? Bris de glace, violence sur la voie publique, diffamation, c'est la corde assurée. Arrêtez-les. On décampe. Plaisir, shérif. Arrêtez-les. Ya, ya, noble conquête, décampons, fidèle coursier. Décampons. Shérif, l'honorable mais têtu blanchisseur accepte avec sagesse de se plier aux règles délicates de votre justice. L'autre nous a échappé. Commençons par ligoter celui-là. Tu sais pourquoi je suis un bon shérif et maître de ses concitoyens? C'est parce que je gâche pas les impôts de mes contribuables en nourrissant les prisonniers. Je juge tout de suite mes criminels. Et un procès avant une pendaison, c'est comme le fromage avant le dessert. Bon, d'abord le procès. Intéressant exemple de justice américaine. En Chine, on se fait décapiter et ensuite juger. Il est déjà un peu tard, alors on va faire vite. L'accusé est coupable. Vive le juge! Ça, c'est parlé! L'accusé a-t-il quelque chose à dire avant la pendaison? En effet, rigoureux protecteur de la loi et vénéré public, j'ai d'humbles arguments à formuler pour ma défense. Merci! Je demande donc une pendaison immédiate pour tapage d'urne, coups et blessures, délit de fuite et défense ennuyeuse. Blanchisseur à la montre, ça t'apprendra à respecter le linge. Marchez, blanchisseur! Stop! Et le cheval, où il est? Ben, j'ai oublié, chef.
Bougre de crétin, mais comment on va le pendre, son cheval? J'en ai un de cheval. Harry Cover, citoyen zélé. Merci, Mr. Cover. Le Nebraska a besoin d'hommes comme vous. Dès qu'il y a un condamné à pendre, vous pouvez compter sur moi. Pour le faire échapper aux coyotes de votre espèce. Ah, c'est à moi. On ne bouge pas. Allez, yéhaw ! Chef ! Chef ! Il s'enfuit ! Qu'est-ce qu'on fait ? Laissez tomber. Jusqu'à la fin des temps, mes descendants honoreront ta mémoire et ton courage, noble, joli, joli. Les remerciements éternels, ça ne vaut pas une grange pleine d'avoine. Et pour vous, Liki Liki, je ferai édifier un temple où votre nom sera célébré. On verra ça plus tard. Tiens, tiens. Slickhorn, le coyote qui va me conduire au Crotal. Qu'est-ce qu'il mijote ? Shérif Slickhorn, vous êtes une puissante énigme pour moi. Un misérable vermisseau comme moi, une énigme. Pourquoi perdez-vous tant de temps à réparer vos erreurs alors qu'il est plus simple de ne pas les commettre? Ah, c'est drôle ça, très drôle. Désolé, c'était pas drôle. Vous n'êtes qu'un lombric obèse que j'ai la faiblesse de trop grassement payer. Vous avez laissé échapper les deux blanchisseurs. Les Tchou, mon inestimable tonton vivant. Moi aussi, j'aimerais bien monter sur leur dos pour voir quelque chose. Des blanchisseurs dangereux, c'est autre chose que vos coulisses. Laissez échapper deux moutons et tout le troupeau suit. Est-ce que votre insignifiante cervelle de méduse peut comprendre ce que cela signifie? Bah non. La fin de notre petit commerce. Plus de grosses enveloppes pour le gros shérif. Si cela venait à se reproduire, oh babouin gras et adipeux, je me verrais dans l'inconsolable obligation de couper court à notre collaboration. Comme ça. Je me soumets à mon funeste destin, détestable créature. Toutefois, en tant qu'expert du nettoyage, je vous assure que votre âme ne sera jamais propre. Chin Chin, Lucky Luke, Lichu, Tonton, Harry Cover, Lucky Luke, Lucky Luke, Lucky Luke. Où vas-tu, méprisable froussard? Chercher du renfort. L'honorable Liki Liki peut vaquer au dehors. J'ai bientôt fini. Slickhorn, c'est fini! Rends-toi! Tout le monde descend! Tu commences à me fatiguer, cow-boy! Oh non! On fonce droit sur la ville! Oh.
Oui, Wu-Tang. Ça va, on a compris. Le frein, le frein. Chichin, Lichou. Liki Liki, regardez ce que j'ai attrapé. Honorable Lucky Luke, vos visites sont toujours un enchantement. Et un petit job pépère dans la restauration, n'auriez pas ça pour moi? Et j'ai l'honneur de nommer shérif le meilleur d'entre nous, le plus en même de faire respecter la justice. Et la propreté. À Picaboo, monsieur Chin Chin, l'homme qui a libéré cette ville de la corruption. Liki Liki, je suis un vrai homme de l'Ouest maintenant. Liki Liki. I'm a poor lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. C'est un fait. Un astronome italien a découvert qu'il y avait des canaux sur Mars. C'est ça, Luc. Et tes martiens, ils vont venir nous envahir en péniche. Riez. Mais je vous le dis, moi, nous ne sommes pas à l'abri d'une invasion d'extraterrestres. T'entends ça, Fleetwood? Des habitants sur Mars. Ouais, ouais, j'ai entendu. Pourquoi pas des Américains sur la Lune, tant qu'on y est? Ces journalistes, qu'est-ce qu'ils vont pas inventer? Sacré Luc! Un journaliste n'invente jamais rien! Il se contente de rendre les faits! Rien que les faits! Tu me parlais un peu plus de ces martiens? C'est quoi donc, Spidula? La Noire Aude! Des martiens m'ont volé la Noire Aude! Trois jours que la Noire Aude a disparu! Les extraterrestres sont-ils parmi nous? Demandez le cri de Cactus Hall! Il lit en conduisant maintenant?
Les lumières tournaient dans le ciel noir, ça avait la forme de sous-tasse qui volait, nous dit le fermier Patfouldi. Wow, ça fout les jetons! Des sous-tasses volantes! Fouldi a dû abuser de ce qu'il y avait dans la tasse, oui! Si c'est pas des martiens, mais qui c'est qui m'a volé la noiraude? Les voleurs de vaches, c'est pas ce qu'ils manquent au Texas! Tu me traites de menteur? Lui qui dit que les martiens, ils enlèvent des gens et des animaux pour les étudier! On se demande ce qu'ils vont étudier, les martiens. Ta noiraude, elle faisait même pas de lait. Tu dis pas de mal de la noiraude, toi! T'es un crétin, Fouldi, mais t'es pas un menteur. Je les ai vus, moi, les martiens qui ont volé ta noiraude. C'était des monstres avec plein de tentacules. Curieux, vous ne trouvez pas? Des martiens qui débarquent sur Terre pour voler une vache. Tu m'as traité de crétin, Fleetwood? Je vais te calmer, moi. Spéciale dernière! Frank Fleetwood les a vus! Le cauchemar a peut-être déjà commencé! Toutes ces tentacules, ça va pas être pratique pour leur passer les menottes, tiens. Messieurs, j'ai besoin de volontaires pour former une milice afin de défendre Cactus Hall contre l'envahisseur! M'en vais de changer de méthode, moi. Spéciale dernière, est-ce la guerre des mondes? Une bonne guerre des mondes, c'est bon pour nos affaires, ça. Bonjour. Bonjour. Lucky Luke. Vous me connaissez? Non. Luke? Oui, c'est ça, Luke. Bon, je vais vous laisser. Je vois que vous avez plein de choses à vous dire. Un savant doit venir enquêter sur les étranges phénomènes qui se déroulent chez vous. Une pointure que j'ai mission de protéger. Sage décision. Nous ne savons pas si ces visiteurs sont amis ou ennemis. Peut-être ont-ils des armes terribles. Le gouverneur craint plus le goudron et les plumes des gens du coin que les armes de vos visiteurs. Cette nuit, en attendant que notre savant arrive, si nous allions à la rencontre de ces terribles monstres à tentacules, qu'en penses-tu, Jolly? Tant qu'ils ne kidnappent que des vaches. Pouah, qu'est-ce que c'est que cette odeur? Moi, ça me rappelle un cheval de mes amis qui sentait des sabots. Ça se couvre. Oui, j'ai déjà senti cette odeur. Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? Je voulais prendre les martiens en photo. Tentacule en l'air! Où je vous plombe, sale martien! Vous avez entendu? Les martiens ont des flingues. S'ils ont un flingue par tentacule, on est mal barré! Ah, fouliche! Allez, la milice! Du coulage, en avant! Vous aurez pas mes vaches! Mais moi, la milice! Ils nous tirent dessus! Je les ai vus, ils sont passés par mon champ. Ils sont verts avec des tentacules. Fouldi, ils vont nous envahir. Il faut partir, quitter la ville. Mes vaches! Mais pourquoi mes vaches? Qu'est-ce qu'elles leur ont fait, mes vaches? C'est en répondant à cette question que nous résoudrons le mystère. L'homme qui tire plus vite que son ombre. Les martiens n'ont qu'à bien se tenir. Là! Au flamme! Frère Blanc, je suis Coyote Avisé, fils de Bison Futé, petit-fils de Lézard Appliqué. Je sais le moyen pour vous protéger des êtres venus du ciel. Le
grand-père du père de mon grand-père a été en contact avec des êtres venus du ciel. Cette tapisserie brodée par la mère de ma grand-mère, relate la rencontre. Ils sont petits et verts. Les êtres venus du ciel sont toujours petits et verts, mon frère. Oui, mais les nôtres, ils sont gros, avec plein de tentacules. Les créatures aux tentacules sont aux petits hommes verts ce que les chevaux sont aux humains. Des montures. Pour un scoop, c'est un scoop. Je dirais même un scoop volant. Si vous portez sur vous ces amulettes, les êtres venus du ciel ne pourront rien contre vous. 5 $ pièce. Moi aussi, j'en veux les vaches qui me restent. Moi aussi, j'en veux. Je m'appelle Lucky Luke. Seriez-vous... Professeur Margaret Skippy du Massachusetts Institute. On m'a prévenu que vous m'attendiez. N'y faites pas attention, je suis myope comme une taupe et j'ai cassé mes lunettes pendant le trajet. Dire qu'on vous attendait pour y voir plus clair. Il paraît que certains de vos concitoyens ont été en contact avec des intelligences extraterrestres. Enfin, il y a eu en effet quelques événements encore inexpliqués, mais... Vous ne croyez pas... Vous ne croyez pas qu'il puisse exister des intelligences extraterrestres ? Au vu du peu d'intelligence qu'il y a sur Terre, la probabilité est faible. Je suis tombée sur le spirituel du coin. Où pourrais-je rencontrer un témoin oculaire ? Les gens du coin sont terrorisés ? Pas vous, semble-t-il ? Je ne suis pas du coin. Nous, on n'a pas peur de personne, pas même des martiens. Celui-ci représente un engin aperçu dans le Colorado. Non ! C'était tout rond, puis lumineux, puis ça tournait comme ça. L'herbe est écrasée par endroits. Des traces de chariot. Ah, votre scepticisme est d'un ennui. Il faudrait un point de vue plus en hauteur. Vous me faites la courte échelle ? Incroyable! C'est incroyable! Je vous le dis, moi! Après les vaches, ils vont s'en prendre aux humains! Il faut quitter cette terre maudite! Si le témoignage d'un fermier vous suffit pour conclure qu'il s'agit de petits bonshommes verts... Évidemment, c'est tellement plus pratique de penser à de biens inoffensifs hors la loi. Inoffensifs? Les hors la loi? Non mais je rêve. Peut-être pas assez. Mais vous, c'est plutôt le genre deux cerveaux et un muscle, je me trompe? C'est sûr qu'ils se donnent beaucoup de mal pour pas grand-chose. Il doit y avoir une autre explication. Je ne vous le fais pas dire. Et l'odeur, vous avez senti cette odeur? Ouais. Ça sent le pétrole. Vous vous rendez compte? Ils ont mis au point des engins qui fonctionnent avec du pétrole. Du pétrole? Mais c'est ça, du pétrole! Eh oui, ils sont beaucoup plus avancés que nous. Bien sûr, ils peuvent être petits et verts, comme le prétend cet Indien. Mais ils peuvent aussi nous ressembler. Oh, nous ressembler, dites-vous, professeur? Tout à fait, ils peuvent même vivre au milieu de nous sans que nous nous en rendions compte. Allons voir ce sorcier indien. Il a sûrement des éléments de réponse. Coyote avisé? S'il a le temps de nous recevoir entre deux ventes de gris-gris. Maudite myopie! Ah, c'est de la preuve cousue de fil blanc. Sensationnel! Vous croyez ce machin? Ce tapis sacré! Ce paillasson! Ce tapis sacré!
nous prouve, s'il en était besoin, la réalité d'une vie extraterrestre. Les anciens ne peuvent mentir. Je connais aussi le langage des Martiens, transmis de père en fils. Il nous ressemble! Votre voisin est peut-être un Martien! Demandez le cri de Cactus Hall! Quoi, ma peau? Qu'est-ce qu'elle a, ma peau? Le premier qui me traite de Martien, je lui fais voir des étoiles. Je dis seulement que t'es pas né ici et que tu pourrais très bien venir d'ailleurs. Mais toi aussi t'es pas né ici, Ted! C'est vrai ça? On vient tous d'ailleurs! Y'a personne qui est né ici! En effet, vous pouvez tous être des Martiens. Et toi, Cowboy, il paraît que tu tires plus vite que ton ombre. C'est pas vraiment humain, ça. Ça expliquerait pourquoi Ted gagne toujours le concours des gobeurs d'œufs. C'est pas humain non plus de gober autant d'œufs durs. Préparons-nous plutôt à les accueillir. J'ai justement là des petits dictionnaires martien-anglais, $15. Coyote avisé a raison. Qu'est-ce qui nous prouve qu'ils sont hostiles? Mes vaches! Vous semblez bien aimer les étrangers. Étrangère. Vous êtes d'où, au juste? C'est vrai qu'elle est bizarre, celle-là, à se cogner partout. Gouja! Liche ou tasse volante, ma tech! Vous ne croyez toujours pas à la théorie martienne? Oh. Mais que se passe-t-il? La peur des hommes verts. Vous aussi? Mes clients quittent tous la ville, alors moi aussi? Tout le monde s'en va. Excuse-moi, j'ai une vieille tante malade qui m'attend à Atlanta. Et moi, j'ai trop les jetons. Hey, attendez, me laissez pas tout seul. Coyote avisé nous quitte aussi. Mauvaise stratégie marketing. Il faut que je recentre mes activités pour cibler une clientèle moins large mais plus fiable. Coyote avisé n'a plus rien à faire ici. Oh. Pardon, jeune homme, la ville des Martiens, c'est bien ici? Mon frère ne s'est pas trompé. Gris-gris, plan de la ville, guide des principaux sites à visiter, $5 pièce. Non, je ne crois pas à la théorie martienne, mais je dois bien être le seul. Entrez, entrez, venez voir les Martiens, il y en a là pour tout le monde. On dirait que tout le monde a eu la même idée. Gris-gris, qui n'a pas sans gris-gris, $5. Demandez aussi une fumigation protectrice de $15. Coyote avisé annonce des apparitions pour ce soir. Je brûle de voir ça. Quel temps faisait-il la nuit de la première apparition? Nuageux, avec un léger vent. Nuageux avec du vent. Dites, mes clients sont un peu déçus. Vous aviez promis que les Martiens viendraient. Ils viendront. Coyote avisé ne se trompe jamais. Dommage, j'avais préparé un discours de bienvenue. T'as vu ça, Fleetwood? Les Martiens, ça rapporte plus que les vaches. C'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Il est clair que quelqu'un souhaitait faire peur à Fouldy afin qu'il parte et vende son champ. Vous savez qui c'est, ce quelqu'un? Ça se pourrait. Tiens, mon cowboy. Je l'avais oublié, celui-là. Il y a un lien dans cette affaire entre le temps et les apparitions. Je sais pas encore lequel. Parle-en à ton cheval, ça ira mieux. Était donc un Indien? La branche, elle est pas assez solide pour nous deux.
Je crois qu'il est temps de nous expliquer deux, trois choses, l'ami. Et après, si vous pouvez venir m'aider... Le Martien était un Indien! Tous les détails dans le cri de Cactus Hall! Le Martien était un Indien! Pas trop déçu? Je n'y crois pas une seule seconde. Les Martiens existent et je le prouverai. Aïe! Maudite myopie! J'avoue pour les traces dans le champ. Mais le reste, c'est pas moi! Je le savais, je n'ai jamais cru à cette histoire de Martiens. Nous non plus! Dire qu'il y en a qui ont eu les jetons! Oh! Allez, Bénédicte! Allez, Valérie, à la maison! Bénédicte! Coyote avisé est une fiefée canaille, mais ce n'est pas lui l'auteur de cette mascarade. Le petit homme vert n'est donc pas un petit homme rouge. Beaucoup vont être désappointés. Venez vite! Ils veulent lyncher le Martien! L'Indien! On va t'apprendre à faire le Martien! Ouais! Si Coyote avisé s'en sort, il jure de s'appeler désormais Coyote mal avisé! N'aie pas honte, à votre âge. Les Martiens sont revenus! Les Martiens sont revenus! Ils ont enlevé... Une nouvelle vache? Non! Ils ont enlevé Miss Skippy! Hein? Oh, la vache! Les Martiens! Les Martiens! Comment est-ce arrivé? Elle était venue jeter un coup d'œil au champ ce soir. Quand les lumières sont réapparues, je l'ai entendu crier, puis plus rien. Elle a disparu. Letwood! Oh. C'est le jour des pendaisons. C'est Fleetwood. Il se sert de lampes attachées à une éolienne. Le vent fait tourner les lampes dont les lumières se reflètent sur les nuages. Je sais. C'est pour le pétrole, hein, Fleetwood? Ce crétin de Foldy ne s'est même pas aperçu que son champ regorgeait de pétrole. Et ce soir, tu avais décidé de le faire disparaître. Ouais, on aurait accusé les Martiens. Si cette greluche ne s'était pas pointée. Je ne vous permets pas. Je connais bien ce genre de fusil, Fleetwood. Ils ont un gros défaut. Ils appartiennent souvent à des crétins. Maudite myopie. Faut que j'y aille. On a signalé des phénomènes étranges dans un patelin nommé Roswell. Vous allez passer votre vie à courir après les Martiens? Si je décide de m'intéresser aux terriens, je vous fais signe. Roswell est à l'est et nous, on va vers l'ouest, cowboy. I'm a bold lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero?
The Emperor of the Far West, when it begins, revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Rumble Gulch, notre cimetière est plus gras que notre banquier. Ha, tu Charles parle. La quisse, vête. La veste, quitte. Plaît-il? La caisse, vite, ou je t'envoie citier sous père. Avec les bons climats de Ralph Noway. Ah! Et ce Lucky Luke? Cuculic. Lucky Luke. Il y a d'excellents cours de diction au pénitencier. On répète après moi. Je lâche mon arme et je lève les mains. Mon Luc, tu veux rire? T'es peut-être le plus rapide de Louis à dégainer, mais là, on est à égalité. Et égalité. Tu tires, je tire, tout le monde est mort. Hein? Oh! Bouge pas, toi, ou je lui proue la tôt. Lâche-moi! Lâche-moi, Lucky Luke, sinon je tube la toge! Je bute l'otage! Tu auras la joie de me revoir, Noé. Hey, monsieur! Tu crois que je peux devenir un vrai desperados comme toi? Dieu merci, l'argent n'a rien. C'était Ralph Noway, n'est-ce pas? Ouais, je piste ce serpent à lunettes depuis une semaine. Concours annuel de trappeurs à Skin City. Premier prix, $10,000. Allons voir ce feu de plus près, old boy. C'est toi qui tiens les rênes, cowboy. Et voilà, plus de traces. Fatalitas. Mort subite, mes vieux compagnons. C'est l'heure de la toilette. Demain, on a du plein sur la tranche. Je t'ai retrouvé, coyote. Au secours! Cubicule! Lucky! Lucky Luke! C'est ma semaine de chance. Courage, l'ami, j'arrive. Dépêchez-vous, j'ai le pied broyé. Aïe, aïe, aïe. Oh, oh, personne ne souffre tant que moi. Du calme, old chap. Oh, j'ai la gangrène. Vite, un médecin. Sauve mon pied, cowboy. Sauve mon pied. Le cuir est à peine entamé, vous n'avez rien. Je le savais. Ce qui ne tue pas un trappeur le rend plus fort. Herman Flood, meilleur trappeur du Montana. Lucky Luke, à la poursuite d'un dangereux criminel qui s'est échappé grâce à votre courageuse intervention. J'accepte vos excuses, cowboy. Vous n'êtes pas de la forêt. Mes excuses? Eh oui, vous ne pouviez pas savoir. Oh! Ah, je l'ai retrouvé. Je suis un vrai pisteur né avec un flair de puma. Moi, j'ai l'impression que vous vous êtes fait attraper par votre propre piège, amigo. C'était une ruse. Je jouais le rôle de lapin en détresse pour attirer du gros gibier. Bien. Excusez-moi, mais j'ai une crapule sur le feu. Ça aurait marché si vous n'aviez pas été là. Qu'est-ce que vous faites? Vous fouillez les ordures? Concours de trappeur à Skin City. Premier prix, $10,000. Tiens, tiens. Et il en a brûlé pas mal de ses affiches.
Bonne pioche. Comme vous avez une bonne tête, je ne vais pas vous faire payer la peau du grizzly que je n'ai pas capturé. Trop aimable. Allez, à un de ces jours, l'ami. Sans vouloir vous vexer, un gentil garçon vaché comme vous va sûrement se perdre dans ces bois dangereux. Il vous faut un guide. Je vous ferai un prix. Hé, Lucky Luke! Monsieur le cow-boy! Eh, revenez! C'est pas prudent de rester tout seul par ici. Ce soir, on mange et on se couche tôt, old boy. Demain, on file à Skin City et on y attend ce crotal de Noé. Quand je pense que tous les soirs, je dois dormir au-dessus de mon dîner. Main en l'air, Noé. Ne tirez pas, c'est moi, Herman. C'est pas une façon d'accueillir les amis. Oh, vous avez de la chance de m'avoir. Il y a de nombreuses bêtes dans cette forêt. Par vous, je n'ai pas vu trop de bêtes par ici. C'est parce que vous ne savez pas les pister. Mmh. Vous savez, les conserves, c'est pas bon pour la santé. Le bon gibier, c'est meilleur que ces cochonneries de la ville. S'il fallait compter sur vous pour chasser... Vous prendrez bien un peu de café? Merci, j'ai déjà abusé. Pas terrible comme emplacement, un bon bivouac, ça s'oriente à l'est pour profiter du soleil matinal. Herman, vous êtes fils unique? Ben, oui. Parfait, c'est la seule bonne nouvelle de la journée. Allez, bonne nuit. Monsieur Luke, je devrais dormir près de vous, hein, pour vous protéger. Deux sucres, merci. Flood! Vous êtes matinal, vous? Pas trop serré, pas trop serré. Moi, je vais par là et vous par là. Ravi de vous avoir connu, Flood. Mais, qu'est-ce que vous allez devenir sans moi? Revenez! On est amis maintenant! Cette nuit nous a rapprochés! Bonne nouvelle, old boy. On n'aura pas à pousser jusqu'à Skin City. Noé! Ah! Debout, coyote! Main en l'air, je t'arrête. Hé, monsieur Luke, regardez ce que je vous amène! Du gibier! Ça nous changera des faillots! Alors, c'est qui le roi de la forêt? C'est vous, Flood. Alors retournez-y, je suis occupé. Salut, l'ami! Les amis de mes amis sont mes amis! Mille fous de zipline, poids jaune. On te tient à crotte depuis toi. On va t'apprendre à braconner les pièces des autres. Flood. Ben, ils étaient attachés à une branche, j'ai pensé qu'on les avait abandonnés. Dans le coin, on n'aime pas beaucoup les voleurs de castor. Allez, on t'embarque, toi et ta bande. Du calme, messieurs, c'est un malentendu. Je suis chargé d'arrêter ce dangereux criminel et je... Les criminels, c'est vous. On va s'expliquer à la maison. À la champagne, cul-cul! Bougre de saligo! Félicitations. Vous avez laissé échapper l'homme le plus recherché du Montana. Je te hey. Tout ça à Popa et Momon. Joshua, Horace, qu'est-ce que c'est que vous ramenez là comme gibier? Elle est ouverte celui-là. Là, elle fait zander. C'est des braconniers, papa. Ils nous ont piqué nos prises. C'est une méprise. Monsieur Flood va s'excuser. Silence! Dans la famille Skonk, on cause pas quand je l'ai pas dit. Elvira, qu'est-ce qu'on va faire de ces deux putois?
Frit à la broche, ça nous changerait du grizzly bouillie. Elle est drôle, hein. C'est pour ça que je l'ai épousée. Je vais me enfin, quick, une bonne fois pour toutes. Comme ça, je t'aurai plus dans les tapes, dans les pattes. Assez rigolé. Ça vous dirait de tanner les peaux jusqu'à la fin de vos jours? Ou alors vous pourriez servir d'appât à Grizzly. Elvira, les petits, dehors, vite! Havelock! Ça sent bon aussi. C'est lui qui avait le feu! C'est le troisième voleur de castor, papa! Je n'aime pas qu'ils me prennent pour un transport en commun. Grand concours annuel des trappeurs, 10 000 dollars de prix. Il n'y a plus qu'à attendre ce coyote de Noé. Flood, debout, Flood. Hey, le roi de la forêt, on se réveille. Pitié, je vous rends les castors. Flood, nous sommes à Skin City. Un quoi? Un Skin City? Ah ah, ma ruse a marché, ces crétins des bois n'y ont vu que du feu. Pas mal le coup de l'évanouissement, hein? Hein? Une vraie fan de trappeurs. Je vois que vous allez beaucoup mieux. Adieu, Flood. Mais vous êtes fous! On ne change pas une équipe qui gagne! On fait une équipe du tonnerre, tous les deux! Hein, vieux Luc? Attendez! Halte là, cow-boy! Durant le concours, seuls les trappeurs entrent à Skin City! T'es pas trappeur, tu peux pas entrer! C'est que... Je viens m'inscrire au concours. T'es peut-être pas au courant, cow-boy solitaire! Mais faut être deux pour s'inscrire! Oui! Faut être deux! Un, deux, un! T'es pas deux! Tu peux pas t'inscrire! On est deux. Voilà mon partenaire. Un cow-boy dans un concours de trappeurs, on aura tout vu! Non, profession! Lucky Luke, cow-boy. Urban Flood, trappeur! Bon. On va devoir faire une équipe du tonnerre, hein, Flood? Faudra voir pour le partage de 10 000 dollars. Que pensez-vous de 75% pour moi et de 25% pour vous, hein? Sans moi, vous pouviez pas vous inscrire. Équipe numéro 13, Lucky Luke Herman Flood. Numéro 13, ça porte chance. J'ai toujours été un vénard. Vous avez eu de la chance de me connaître. Dites-moi, il n'y a pas un Ralph Noway sur la liste des inscrits? Non, personne de ce nom-là. Les épreuves vont commencer. Rendez-vous à la sortie sud de la ville. À plus tard, old boy. Sois sage. Qu'est-ce qu'il dirait si je l'enfermais avec une trentaine de cowboys pendant que j'irais m'amuser? Toute équipe nécessite un chef. Je pense que mon expérience et ma valeur intrinsèque me désignent pour ce poste. Hein? Flood, si je participe à ce concours, c'est uniquement pour capturer No Way qui va sûrement tenter de voler les 10 000 dollars du prix. Alors par pitié, fermez-la. C'est 60-40. Trappeur! Coureur des bois! Homme de la forêt! Bienvenue à Skin City! Je déclare le concours ouvert! Entre vous, gagne le premier prix, 10 000 dollars. 10 000 dollars. Épreuve numéro 1, le flair. Castor. Belette. Belette. Raton laveur. Oh.
C'est un piège. Y a rien dans cette cage. Puis toi, 10 ans d'âge. Épreuve numéro 2, capture de Fouine. Ceci est un terrier de Fouine. Le but est de capturer l'animal en moins d'une minute, les mains liées dans le dos. Alors, Elmer, tu tiens ce bestiau? 23 secondes pour les frères Lafleur. Des amateurs. Eh bien, vous allez leur montrer comment fait un vrai champion, Food. Seconde, 10e, record battu. Yeah! Épreuve numéro 3, le tronc. Les troncs ont été savonnés pendant 6 mois. Les deux premières équipes arrivées en haut vont en finale. Comment vous allez faire pour me hisser? Floud, un serpent, là, sous vos pieds! Ah! 52 dixièmes, record absolu! Et maintenant, celle que vous attendez tous, l'épreuve finale! Qu'est-ce que tu mijotes? Où es-tu planqué? Félicitations, messieurs! Vous êtes en finale! L'équipe concurrente des frères Lafleur a tenu 2 minutes 13 secondes. Difficile à battre. Courage, les gars! Il a été nourri à la salade pendant 6 mois. Messieurs, à vous! 50-50 et vous vous en occupez. Ça marche? Sur le bout du tronc. Comment? Maintenant. Voilà encore parti vers le bariole pour détourner l'attention de ma victoire. Quel ours! $10,000 sans impôt, sans impôt. Encore lui. Taré, il a taré. Le grand tir a taré son Luc. Ben... Ah! Enlève tes lunettes ou je te pète l'autre carreau.
seulement vous êtes les meilleurs trappeurs de Skin City, mais vous avez en plus débarrassé le Montana de la pire de ses crapules. Alors d'accord pour 90-10, c'est moi qui ai assommé la pire des crapules après tout. Et voilà les putois avariés. C'est rien que des voleurs de castor qui nous ont empêchés de nous inscrire. Sinon, mes petits auraient gagné le concours. Aussi vrai que je m'appelle Skonk. Ils ont brûlé notre cabane. Tout va s'arranger. Monsieur Flood se propose de vous rembourser les dommages subis. $5,000. Quoi ? Ah bon, bah alors comme ça, ça va. $5,000 où vous servez d'appât pour Grizzly. Réfléchissez, je vous laisse les 5000 autres dollars. Pour vous reconvertir. Je crois pas que trappeur soit un métier pour vous. Si je veux. Tous au saloon. Flood paye une tournée générale pour fêter sa victoire. Ma vie cible sera Terrence. Ah, ma vengeance sera terrible. D'ici le pénitencier, Noé, tu as le temps de faire quelques progrès. Allez, répète après moi. Un chasseur sache où chasser. Et là, paf, je colle direct dans le fouet de l'ours. 10 mètres de haut, dis donc. Et je sauve la vie du célèbre Lucky Luke. Changez un peu de micro-sillon, notre Flood. Dites-moi plutôt comment me va cette queue de marque. Vous êtes magnifique, hein, ces poils vous vont à ravir. I'm a bold lonesome cowboy. Of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West, when he gains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. T'as pas peur de personne. Et 10 de Day, mon petit Alexandre II, vous êtes capot. Vous me devez 7 200 000. Des dollars, hein? Pas des roubles. J'aurais dû écouter ma maman. Il faut toujours se méfier des empereurs français. Igor, payez Sa Majesté Napoléon III. Les caisses de l'État sont vides, Votre Sainte Majesté. Vous avez beaucoup joué le mois dernier. Un peu d'imagination. Vendez quelque chose dont on n'a pas besoin. L'Alaska, par exemple. Vendre l'Alaska? Mais vous n'y pensez pas, sire. Et puis, qui en voudra? Lucky Luke, c'est vous. En chair et en savon. C'est à quel sujet? Lucky Luke, vous devez nous aider. Grâce à vous, l'Amérique libre et démocratique s'étendra jusqu'au pôle Nord. Ça fait des semaines que je vous cherche. Je suis William Henry Seward, sénateur. Et voici Ralph Bargain, un ami, homme d'affaires. Il connaît parfaitement l'Alaska que le gouvernement des États-Unis a décidé d'acheter. Vous pouvez me passer le shampoing? Je vous ai choisi afin que vous nous accompagniez, moi et Monsieur Bargain, à travers les solitudes glacées du Grand Nord jusqu'à Sitka, la ville où aura lieu la vente et... Thank you.
Surtout, pour protéger les 7 200 000 $, vous serez plus efficace et plus discret qu'une escorte trop importante. Refusez, Luke, c'est trop dangereux. C'est le travail de l'armée. Je connais bien l'Alaska. Il y a des ours, de la glace, des tempêtes. Et sûrement des voleurs. Je dis ça pour votre bien. Pour vous éviter des coups tordus. Ouais, vous avez l'air de vous y connaître. Vous pouvez compter sur moi. En route pour l'Alaska. Mais merci. Bientôt, vous aurez la joie d'être un commerçant américain. Eh oui, nous sommes venus acheter l'Alaska. Un peu de discrétion serait utile. Il n'y a pas que des gens qui nous veulent du bien ici. Allons, allons. En tout étranger, il y a un bon américain qui sommeille. Où est passé Ralph? Parti à un rendez-vous d'affaires. Vous le connaissez depuis longtemps? Bien sûr. C'est un ami de 30 ans. Il connaît l'Alaska comme sa poche. Et il a toute ma confiance. Je me demande qui ne l'a pas. Crétin de Seward. Satané, Luke. Ça marchait trop bien. Seward ne se méfiait pas. Dès qu'on aurait mis les pieds en Alaska, fouic! Plus de Seward! Par ici le magot! Et je m'offrais l'Alaska, avec toutes ses richesses, or, fourrure. Zdravouzdie, camarade Bargain. Yuri Karamelov, le tigre de Sibérie. Sergei Smirnov, la hyène de l'Oural. Bonjour, mes amis. Tu parlais tout seul, camarade? Et alors, chacun ses petites manies. Vous, c'est la révolution. Ah, justement, on aimerait bien qu'elle avance un peu. Il est temps que ces chiens d'aristocrates et ces boucs matérialistes qui nous oppressent entendent la souffrance du peuple à coups de bombe. Les boucs matérialistes, à bas le tsar! Vive la révolution et les bombes! Seulement, ça coûte cher, les bombes. Alors, si vous voulez gagner un peu d'argent, j'ai un bon petit boulot pour le tigre et la hyène. Alors, old boy, c'est pas mieux que le froid pour se revigorer. Pourquoi ils n'ont pas acheté le Mexique? Je déteste le froid. Rien à brouter, juste des cailloux gelés. Qu'en pensez-vous, Lucky Luke? Merveilleux père. Ça, c'est du bon froid américain. Mais où est encore passé Ralph? C'est lui qui doit nous conduire à Sitka. Un autre rendez-vous. C'est un homme très demandé. Vous avez tout compris, capitaine Stimulov. Da. Pour de l'argent, je fais tout ce qu'on veut, sauf boire de l'eau et me laver. Alors, Ralph, pas trop épuisé après tous ces rendez-vous d'affaires? Non, merci, j'ai l'habitude. Fichu pays. Et ils n'ont rien oublié. Glace, verglas, froid. J'ai bien envie de changer de cowboy. Eh ben voyons. Il ne manquait plus que ça. Un abri, vite! Je connais une baraque de sympathiques paysans plus loin. La voilà! Zdravoustie, étranger! Entrez! Davai, davai! Fait un peu chaud pour la saison. Humour slave. Vous resterez dormir et manger? J'ai fait des zakouski. Quand il y en a pour deux Russes, il y en a pour trois et moi, gentil américain. Merci, merci. Les États-Unis vous le rendront. Vous avez de grosses bottes? C'est pour mieux réveiller mon mari, feignant. Vous avez une grosse voix. Comme maman.
Bon, allez manger, c'est caracho. Vous êtes digne d'être américain. Dans un Alaska libre et démocratique, vous pourrez vous enrichir et devenir de bons capitalistes. Vous le méritez. Dada, nous bons capitalistes. Maintenant, mangez. Lucky Luke, vous allez froisser nos hôtes. Mangez ces délicieux zakouski. Après vous. D'abord, les invités. Je n'en ferai rien. Les Américains d'abord. Je vous en prie. C'est de bonne grâce. Ça me gêne. Allons, allons, pas de manière entre nous. Mangez. Lucky Luke, voyons, ce sont des futurs électeurs. Lucky Luke, revenez! Vous allez vous perdre! Satané Blizzard! Vous avez bien fait! C'était trop risqué! Pour qui? Oh non! Pour une fois qu'il y a autre chose que de la glace à brouter dans ce pays. Jolly Jumper! Les Jakuski! Empoisonnés! Somnifère! Une vraie dose de cheval. La preuve. Nous étions attendus. Vous ne trouvez pas ça bizarre, Ralph? Je vous avais prévenu que c'était dangereux, l'Alaska. Alors, mes frères, comment te sens-tu après 15 heures de sommeil? Parle moins fort, cowboy. Ça fait vibrer les cloches qu'on m'a installées entre les deux oreilles. Après vous, William. Trop aimable, Ralph. Seward, attendez. Ce pont ne me dit rien qui vaille. Je suis pressé, Lucky Luke. La vente de l'Alaska n'attend pas. On ne va pas vérifier chaque bout de bois sur notre route. Là! C'est du costaud! Vous voyez le mal partout. Allez! 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 Seward, tenez bon! Doucement, cowboy. Je suis convalescent. Je l'ai. Lucky Luke, au secours! Accrochez-vous à quelque chose. Tes ordres sont mes désirs, Luke. Oh non, il manquait plus que ça. Que le Lonnie ne s'inquiète pas. Guguk ne supportait pas la viande des humains. Guguk, assis. Plus jamais de Zakouski. Ah, il y a des jours qu'on aimerait vivre éternellement. J'ai le magot, Seward est à l'eau, Lucky Luke est perdu au milieu de l'Alaska, le tigre et la hyène vont lui faire la peau. En échange, ils espèrent de l'argent pour leur révolution que je ne leur donnerai pas. Et je vais même les accuser d'avoir zigouillé Lucky et Seward. Oh, oh, oh. J'aimerais être quelqu'un d'autre pour m'admirer. Encore en train de parler tout seul, camarade Ralfski? Yuri, Sergueï, mon brave tigre de Sibérie. Tu as l'argent, Tovaritch? Vous avez raté l'opération Zakouski et le sabotage patriotique du pont, camarade. Le réactionnaire Lucky Luke s'en est tiré. Rappelez-vous, je vous paierai que quand il sera liquidé. Bouljimoy, satané Lucky Luske. Comme vous dites. Descendez le fleuve, vous le trouverez. Moi, je vais à Sitka en bateau. N'oubliez pas, je suis l'ami de la Révolution et Lucky Luske est mon ennemi. Lucky Luske est donc l'ennemi de la Révolution. Que le Lonnie retienne sa peur et sa vessie. Guguk est le plus doux des masseurs. Je vous présente Zunuk, un chasseur esquimau. Sans lui et son ours, vous seriez un ex-sénateur. Merci, merci. Et je vous fais premier citoyen d'honneur de l'Alaska libre et américain.
L'Alaska, la vente, Chica, l'or, l'Ikiluk. Vous avez l'or? Je n'ai pas été assez méfiant. Bargain s'est enfui avec. Ralph! Achou! Comment a-t-il pu? Un ami de 30 ans! Achou! Un traître, c'est toujours un ami. J'ai failli à ma mission. Je demande la nationalité Esquimo. Je reste ici. Bravo! Vous êtes au rendez-vous. Normal. Vous avez payé. Nous allons remonter le fleuve jusqu'à Sitka. Ça vous fera un supplément. Pour de l'argent, je fais tout ce qu'on me demande. Sauf la vaisselle et le ménage. Seaward, c'est pas le moment de flancher. Non, Luc. Tout est fichu. Bien dit, camarade. Les faux paysans. Les faux électeurs. Non. Le tigre de Sibérie et la hyène de l'Oural. Les vrais révolutionnaires. Une dernière volonté, Luc et Lousquier. Guc, guc. Debout. C'est bon, Guc Guc. Tu peux lâcher. C'est Bargain, votre chef, Coyote. Où est-il? Qu'est-ce qu'il mijote? Vipère capitaliste, nous préférons mourir plutôt que de parler. Vive la révolution! Guc Guc, ça te dit de la hyène et du tigre pour le goûter? Il remonte le fleuve jusqu'à Sitka. Pitié! Qu'est-ce que Ralph va fabriquer à Sitka? Avec l'or, il n'y a qu'une explication. Il va acheter l'Alaska pour son propre compte. Le scélérat! Il faut le rattraper! Tout de suite! On peut pas aller plus vite! Ah! Si vous payez un supplément. C'est de l'escroquerie! Vous n'avez pas honte! Ah! Grosse honte! Lucky. Crotal à l'horizon. Au galop, Johnny. Du calme. Est-ce que je te flanque de coups de sabot, moi? C'est pas un cow-boy, c'est une sangsue. Je les canarde et vous, vous accélérez. Ah, mes petits suppléments deviennent gros suppléments. Bon voyage, Lucky Lusky. Mais ça vous fera un supplément et supplémentaire. Ça doit être la Saint-Crapule aujourd'hui. Du vent, de la neige. Qu'est-ce que c'est varié, l'Alaska? Lugilug, tout cela est vain. Laissez-moi ici. Je vais construire un igloo et devenir un Esquimau. Courage, Seaward. Nous pouvons encore arriver à Sitka avant Bargain. Chut! Pas de bruit! L'esprit de la montagne a de grandes oreilles, et il n'aime pas être dérangé. Oh. Désolé. Revenez quand vous voulez. Bon. Je fonce chez le gouverneur, je signe la vente, et dans une heure, je suis le maître de l'Alaska. Oh, ça devient lassant. Mon petit Luc, je sens que tu vas rire. Zdrowski, noble militaire du tsar.
Halte! Une escorte? Ces gens s'apprêtent à voir. Le tigre de Sibérie, la hyène de Yakoutie, avec l'esquimau terroriste et l'ours subversif. Main en l'air, je vous arrête! Bargain nous a précédés. Messieurs, je suis William Henry Seward, représentant du gouvernement américain. Regardez. Vous allez rire. J'ai pris un bonbon et... Puisque je vous dis que je représente le gouvernement américain pour acheter l'Alaska... Je suis William Henry Seward! Vous n'êtes donc pas William Henry Seward? Heureusement non, votre excellence. Seward est une crapule qui a disparu avec l'argent qui lui a été confié. Oh, et comment j'ai fait, moi? Il va pas être content, Alexandre, si je vends pas Alaska. C'est votre jour de chance, votre éminence. Je suis acheteur, au comptant et en or. Bonjour, moi. Comme vous dites, votre altitude. On signe? Poui, vous allez trop d'avoye en affaire et le protocole. Le quoi? Vous êtes un invité des marques. Mon premier en 15 ans dans ces pays désolés. Je vais pas vous lâcher comme ça. D'abord, une petite visite guidée du palais. Lucky Luke, faites quelque chose! Vous n'avez pas une idée pour nous tirer de là! Avec du calme, je pourrais réfléchir. Lucky Luke! Demain, vous serez fusillé, chien capitaliste, et nous serons aux meilleures places! Et la révolution n'aura pas d'argent. Que veux-tu dire, lombrique matérialiste? Si ce sont les soldats du tsar qui nous truffent de plomb, Bargain ne vous paiera pas. Le plus simple serait de nous faire sortir et de nous descendre ensuite. Ce serait pas un piège impérialiste? Pas du tout. Je préfère les balles de la Révolution à celles du tsar. Et là, ma collection de balalaïka. Nous sommes une famille des mélomanes. D'ailleurs, ma fille Tatiana a préparé un récital de bienvenue. Splendide, votre seigneurie. Splendide. Vous avez entendu? Dehors, Lukilowski! Davaï! Guk, c'est l'heure du goûter! Vous êtes sûr que vous ne voulez pas entendre ma fille Tatiana chanter? Après la signature, je passerai ma vie à l'écouter! La plume, vite! Excellence! Cet homme est une crapule! Cet argent est la propriété des États-Unis! William Henry Seward, votre excellence, envoyé par les États-Unis pour acheter l'Alaska. Cet homme vous accuse d'être aussi un dangereux prestoupnik, un escroc. Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes bien un représentant des États-Unis? Eh bien, mais pas... Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fou? J'en ai aussi un autre là! Et là! Et là? Inutile! Je vous crois! Je ferai construire un musée pour votre collection de balles à laïka et un opéra pour votre fille. Les États-Unis vous remercient! Vous savez, pour nous les Russes, des cailloux et de la neige en plus ou en moins. Mon cher Ralph, vous allez inaugurer le premier pénitencier d'Alaska. Junouk, mon héros, vous allez être le premier citoyen américain d'Alaska. Junouk, surtout espérez ne pas être le dernier Esquimau. Guk, mon sauveur, tu nous as brillamment débarrassé du tigre et de la hyène. Où sont-ils passés d'ailleurs? Seul Guk sait. Et quant à vous, Lucky Luke? Mais... Luke? Luke? I'm a poor lonesome cowboy.
poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's his caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Lucky Luke. Lucky Luke, j'aurai ta peau. J'aurai ta peau. Bob, le dingue. Ça tombe bien, on vient de repeindre la cellule. Je te fais rater la première épreuve du rodéo, Bernie. Désolé. Aucune importance, Luke. La première épreuve, c'est le discours du maire. Et je m'en passerai. Ta peau, Lucky Luke, t'entends? J'aurai ta peau. Si nous allions voir ce fameux rodéo, mon vieux Jolly Jumper. Il devrait exister des rodéos où les chevaux montraient des cowboys sauvages. Je me demande pourquoi ils m'emmènent dans un meeting politique. Le vainqueur remportera cette magnifique coupe en métal doré qui lui sera remise par la tout aussi magnifique Miss Nothing Gash. Ainsi que comme chaque année, un bon d'achat de 4,50$ au magasin de pompes funèbres de Barnabé Nail Coffin. Un grand merci pour notre généreux concitoyen. Alors gamin, tu participes pas au rodéo? Jolly Jumper est d'un naturel jaloux. Il ne supporte pas que je monte un autre cheval que lui. Je me demande ce que cet animal a bien pu faire pour être en prison. Ben non, laissez-moi, je suis innocent. Monsieur, un moment. Monsieur, j'irai droit au but. Un rodéo rapporte dans les combien? Bien, monsieur. Si nous parlions business... Non, d'un canasson cagneux, ce genre de choses, ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Merci et au revoir. Monsieur, je n'irai pas par quatre chemins. Le rodéo, ça paye bien. Et voici le premier concurrent, notre ami Joshua Pemberton. Vive Joshua! On m'annonce que Joshua déclare forfait à cause d'une crampe au mollet. Passons donc au concurrent suivant. Allosius Ridlock. Nous devons déplorer le désistement d'Alosius, lui aussi victime d'une crampe au mollet. Troisième concurrent donc, Big Joe Miller. Mais enfin, c'est une épidémie. Big Joe Miller a lui aussi une crampe au mollet. C'est donc au tour de Nathaniel O'Leary. Pete, non, la tribune n'est pas prévue pour... Les crampes, je savais pas que c'était contagieux, gamin. Moi non plus, Oldtimer. Moi non plus. Oh. Que le meilleur gagne, Todor. Que le meilleur gagne, Bogdan. Aïe, 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 aïe. Bon, il reste tout de même deux concurrents. Alice, Todor, Vacha, Volo, machin, là. Venu de Poldavie. C'est où, ça, la Poldavie? Sûrement au Canada, monsieur le maire. Le grand rodéo de Nothing Gulch continue avec un concurrent qui nous vient directement du Canada.
il s'est évadé. Hé hey. Au nom de la loi, je vous somme de retourner dans votre cellule. Temps 3 secondes et demie. Allons, soyez bons joueurs. Rendez-vous. On peut bien se liguer pour m'empêcher de défendre l'ordre et la société. Je sais où est mon devoir. Second concurrent, Bogdan Vaché Volo machin, qui nous vient lui aussi du Canada. Ces Canadiens, non seulement ils se ressemblent tous, mais ils portent le même nom. Toi aussi, cow-boy? Décidément, la fréquentation des politiques corrompt même les plus honnêtes. Très belle prestation de notre ami canadien qui... ne fait pas mieux que son compatriote. Ils ont fait exactement le même temps. J'ai gagné, Bogdan. J'ai gagné, Todor. Todor et Bogdan Vachavo, le truc, remporte le grand rodéo de Nothing Gulch. Monsieur le maire, il faut faire quelque chose. Ils vont tout casser. Vous avez raison. En attendant la remise de la coupe, la municipalité vous offre une boisson. Gazeuse, Joseph, gazeuse. Gazeuse. Mon chapeau! Oh, bah excuse-moi, j'avais pas vu la petite tête moche en dessous. La politique, ça se termine toujours par des bagarres. Pour un beau rodéo, pour sûr, c'était un beau rodéo. Une saucisse grillée en plan. Il cherche à me corrompre. Oh, il connaît pas ma force de caractère. C'est moi qui garde la coupe. Non, c'est moi. Curieux zigoto, ces deux-là. Jamais je ne vendrai mon âme, même pour une saucisse. Que le chien qui n'a jamais craqué me morde le premier. Que se passera-t-il si nous n'arrivons point à nous départager, Todor? Je suppose que nous devrons nous battre en duel, Bogdan. Nous souhaitons consulter la liste des hors-la-loi de la région. Des hors-la-loi? Mais il n'y a plus un seul hors-la-loi dans la région. Une région de l'Ouest sans le moindre bandit? C'est difficilement concevable. Tous les bandits que Lucky Luke n'a pas envoyés au pénitencier, nous les avons élus au Congrès. Pour le congrès, je plaisante. Lucky Luke, ah, Lucky Luke, ah. La dernière crapule qui traînait ses bottes dans la région, c'est Bob le dingue. Luc l'a arrêté ce matin. Ta peau. À ton avis, Todor, combien gagne un fonctionnaire de police en Amérique? Pas beaucoup plus qu'en Paul Davy, je suppose. Lucky Luke, ah, j'aurais ta... La ferme. Le meilleur gagne, Todor. Que le meilleur gagne, Bogdan. C'est moi qui la garde, Todor. Il n'en est pas question, Bogdan. Oui, un peu plus bas. Là, oui. Parfait. J'ai le poids de ma conscience sur l'estomac. Lucky Luke, je suis un misérable. Je ne mérite pas ta confiance ni ton amitié. Allons, Bernie. Tu as encore forcé sur la fondue au Chester? Oh, c'est la première fois que je vois un humain faire le beau pour avoir un sucre. Je suis un chien galeux. Ah, oh, je me disais aussi. On m'a payé pour que je libère Bob le dingue. Maintenant, il te cherche partout pour te faire la peau. Qui t'a payé, Bernie? Les deux étrangers qui se ressemblent comme des presse-livres. Hop. Je parie qu'il va encore mettre les bottes dans une histoire de fou, et moi, je vais pouvoir me brosser.
J'étais là avant toi. Il est à moi. Non, à moi. C'est toujours toi qui as tout. Tout? Ah, parce que mère n'a pas une préférence pour toi, peut-être. Eh, hey, oh là, si je vous gêne, vous me le dites. Oh. Une explication s'impose, non? Ah, Lucky Luke, j'aurai ta peau. À la ferme! Il commence à nous les briser, celui-là. J'aurai ta peau, Lucky Luke. Ah. La ferme! Messieurs, j'attends vos explications. Permettez-moi de me présenter. Bogdan Vacholovodjolovitch, prince héritier de Poldavi. Et voici mon frère, Todor. Prince héritier aussi. Notre oncle, le roi Petko III, est âgé et malade. À sa mort, l'un de nous deux doit lui succéder. Pour nous départager, il a eu l'idée d'une série de trois épreuves se déroulant dans l'Ouest. Il a toujours adoré les histoires de cow-boys et d'indiens. Je suppose que la première épreuve consistait à gagner un rodéo. Quelles sont les deux autres? Capturer un hors-la-loi. Et ramener le scalp d'un peau rouge. Nous sommes en paix avec les indiens. Pas question de vous laisser scalper qui que ce soit. Par contre, pour la seconde épreuve, il y a peut-être une solution. Laquelle? La corruption de fonctionnaires est répréhensible en Amérique. Vous êtes donc tous deux des hors-la-loi. Haut les mains! Lucky Luke, tu es là? Les presses livres! Ils ont quitté la ville ce matin, à quelques minutes d'intervalle. Et ils ont pris la direction du camp d'Aigle Intègre. Hein? C'est dingue! Ce type s'habille plus vite que son ombre. Non, rentre-en-plan, toi, tu restes ici. Je serais bien resté, mais comment refuser une telle invitation? C'est pas ça non plus. Vrai faucon en rage et il n'arrive pas à se rappeler cette fichue danse de la pluie. Peut-être... Todor, cesse de me copier tout le temps. Comment? Mais c'est toi qui me copies. Ce pot rouge est à moi, Bogdan. Non, à moi. C'est moi qui l'ai assommé le premier. Tu n'es qu'un sale plagiaire. Et toi, un facsimilé. Ça y est! Johnny Jumper, tu as bougé. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Ah! Vrai faucon, notre sorcier pourrait frapper avant d'entrer. Qu'Aigle Intègre, notre chef me pardonne, mais... ça y est, ça y est. Mon frère devrait modérer sa consommation de cactus. Vrai faucon se souvient. Ça y est. Ouya papa, ouya papa, ouya papa, ouya papa, omba, omba. La prochaine fois que Vrai Faucon se souvient de la danse de la pluie dans le tipi d'Aigle Intègre, qu'il sorte! Allons bon, je me suis perdu. Oh, j'aurais jamais dû m'éloigner du camp. Je suis persuadé que nous pouvons trouver un moyen d'entente. Combien ça gagne, un héros dans votre genre?
Il est impayable. Il me faut ce scalp, je l'aurai. Tu me l'ôtes de la bouche, Todor. Ah, je les ai retrouvés. Heureusement que j'ai un de ces flairs. Allez, en route. Oh. Aigle intègre salue son frère au cœur pur et à la mèche rigolote. Moi aussi je te salue, grand chef. Je vois que vrai faucon a retrouvé la mémoire. Aigle intègre est venu remercier les amis de son frère. Si vrai faucon s'est enfin souvenu de la danse de la pluie, c'est grâce à eux. Qu'ils demandent ce qu'ils veulent à Aigle intègre. Ce qu'on veut, un scalp de peau rouge. Un scalp de peau rouge. Entendu. Aigle intègre n'a qu'une parole. Pourquoi chaque fois qu'on fait du camping, il pleut? Que Castor Pelé entre. Auquel des deux visages pâles qui ne font qu'un, dois-je le remettre? À moi! Non, à moi! Je ne vois qu'une épreuve pour les départager. Vous allez jusqu'à la colline, vous la contournez et vous revenez. Le premier qui parviendra au totem recevra le scalp. Aigle intègre à parler. Que le meilleur gagne, Todor. Que le meilleur gagne, Bogdan. Ils ont raison. Un peu d'exercice, ça ouvre l'appétit. Un doute assaille Aigle intègre. Vrai faucon sait-il comment arrêter la pluie? Voyons. Vrai faucon a la formule sur le bout de sa langue. Ah, non, c'est pas ça. Alors peut-être. Une, deux, une, deux. Flexion des papattes. Une, deux. Extension de la queue. Chien à gros nez remporte l'épreuve. Pourquoi on m'a mis un bonnet? Il fait pas froid. Ce chien a dû naître coiffé. Il ne nous reste qu'une solution, Bogdan. Oui, Todor, nous aurions dû commencer par là tout de suite. Rendez-vous dans la grande rue, Todor. Midi pile, j'y serai. Mais on peut pas les laisser 5 minutes, ces deux-là. Tu nous les as ramenés? On s'en serait passé. Qu'est-ce qu'ils préparent cette fois? Un duel. Un duel? Mais ils tirent comme des casseroles, ils vont blesser tout le monde. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan pour nous en débarrasser. Hé, hey, petit, tu veux bien me rendre un service? Si, Seigneur Luke. Suis-moi. Quelqu'un devrait leur dire qu'ils ont oublié les raquettes et le filet. T'es sûr de toi? J'interviens pas. Ouais. Si vous pouvez accorder-moi petite minute, très bien. J'ai fait discount pour commande groupée. Ah, je me disais aussi. Ah!
la meute de l'Ouest, s'il vous plaît. Todor, tu as triché? Tu as payé des tireurs embusqués? Deux seulement, Bogdan. Seigneur Luke, telegrama para los dos señores. Messieurs, avant de vous entretuer, vous devriez prendre connaissance de ce télégramme. Roi Petko III a changé d'avis. Stop. La couronne de Poldavie reviendra au premier des deux princes héritiers qui atteindra le pôle Nord à pied. Stop. Le pôle Nord à pied? Que le meilleur gagne, Bogdan. Que le meilleur gagne, Todor. Bon débarras. Dis-moi, Luke, si ce télégramme n'était pas arrivé, tu les aurais empêchés de s'entretuer, hein? C'est moi qui ai envoyé ce télégramme, Bernie. Alors ça? Luke? Luke? Allons, bon. Ce type disparaît plus vite que son ombre. I'm a poor lonesome cowboy. Of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is this Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Sortir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, Joe. Non? Comment ça, non? Sors immédiatement de ce trou, imbécile! J'avais voté pour l'évasion après la soupe. Tu as perdu 3-1. Je vais t'apprendre la démocratie, moi. Allez, sors de là! S'évader à jeun, c'est aussi malsain que se baigner après manger. Direction Rio Grande! Au Mexique, Lucky Luke ne peut rien contre nous. Génial, Joe. Génial, Joe. On sera mort de faim bien avant. Ah ah! Lui, c'est le ventre, moi le cerveau. Cherche, rentre en plan, cherche. Les Dalton se sont évadés. Et c'est pour ça que vous me dérangez. Télégraphiez à Lucky Luke. Il les ramènera en moins de deux. Il les ramène toujours. Il a raison, pas la peine de se prendre le chou. Ouais, la soupe va refroidir. Une bonne soupe au chou, justement. Quand est-ce qu'on mange, Joe? Quand est-ce qu'on boit, Joe? Quand est-ce qu'on souffle, Joe? Patience. On va bien finir par trouver quelque chose à dévaliser. Une épicerie, qui sait? Ouais, Ginger, c'est pas tout le monde qui fête l'anniversaire à son cheval. Télégramme pour Lucky Luke! Oh, merci, Monsieur Luke!
Garde ton souffle, old boy. Les Dalton se sont encore évadés. Que fait-on du gâteau, monsieur Luke? Mettez-le au frais. Le temps de faire pareil avec les Dalton et on revient. Du vent, Avrel! Tes gargouillis me brouillent les côtes. Ah ah! Véhicule attelé, environ un kilomètre au nord. À vos postes, les gars! Voilà notre victime. Joe, on n'a pas d'armes? Non! Mais on est les Dalton! Oh, Simili! Descends sans geste brusque, étranger. Wow! Vous comptez me dévaliser avec une arme factice? Si je vous demande ça, c'est que je suis de la partie. Figurez-vous que je vends des jambons. Hey! Factice en plâtre peint pour la décoration des charcuteries. C'est pas grave. On a qu'à m'enlever le feuval, il est pas factrice, lui. À quatre pattes, Avrel. Pourquoi, Joe? Nous avions trouvé un moyen de transport, mais ta goinfrerie l'a fait fuir. Alors tu vas me servir de cheval. Cataclope, cataclope. Oui, quatre bagnards en escalier. Le grand, il a essayé de manger une de mes jambons factices. Ce sont bien les Dalton. Le cheval et vous l'avez échappé belle, amigo. Ah, c'était vraiment du talk, ces hold-up. Bon, on attaque un passant. On lui pique son arme. On braque la banque et on se paye le gueuleton du siècle. On pourrait pas faire ça dans l'autre sens? Toi, le cheval, contente-toi de hennir. La ferme, imbécile! Voilà quelqu'un! À vos postes! Bon, je sens qu'on en a pour la nuit. Je vais me trouver un petit tanka. Ça sent le fourrage, ici. Je suis factice. Ça va être une boucherie. Allez, mais faites quelque chose. Maman. Bon, assez rigolé. Sortez vos mouchoirs. Toro, Toro. Pas tout ça. Au boulot. Oh, je me sens un peu lourd. Qu'on me livre ces dégénérés. J'en ferai de la farine pour mes vaches. Qu'est-ce qui se passe, l'ami? C'est John Cotton, l'éleveur. Il vient de découvrir que des indélicats ont mangé son taureau El Fecundo, le favori du concours du plus gros producteur. Ils étaient quatre. Des bagnards. L'air barbouillé. Ils ont volé des chevaux, dévalusé l'armurerie et le drugstore. Le drugstore? Ouais, la caisse et du bicarbonate. Tiens, tiens. Les Dalton seraient patraques. Patraques ou pas, je mets leur tête à prix. 400 000 dollars, mort ou vif. Ça va pas, Joe? Dis quelque chose, Joe. Tu devrais essayer le bicarbonate, ça régale. C'est ce bœuf qui passe pas.
On va s'attaquer une petite diligence, ça me requinque. Réfléchissez, Glutton. Cette récompense extravagante va me compliquer la tâche en attirant tous les chasseurs de primes du pays. Lâchez-moi les sabots, Luc. Avant ce soir, 1000 avis de recherche couvriront les murs de cette ville. Les meurtriers d'El Fecundo finiront en farine animale. Ouais. On frémit à l'idée de manger de la vache qui aurait mangé du Dalton. Manger de la vache alors qu'il y a de l'herbe partout. Les hommes sont idiots. Et 1000. C'est bon, Spotty. C'est prêt, j'embarque. Vous travaillez pour John Glutton? En exclusivité. Vous l'avez reconnu, patron? C'est Rattlesnake, le plus abject des chasseurs de primes. On dit qu'il a livré sa propre mère pour 5 dollars. L'affaire du siècle, Wampel. Si on la plie, je te paye 1 an de vacances dans un haras de pouliche californienne. Le petit n'avait pas l'air dans son assiette. Ils sont repartis sans avoir rien pris? Pardon, le plus grand m'a piqué mon pique-nique. En route, old boy. Leur cerveau est malade. On devrait plus tarder à les cueillir. C'est très embêtant. Ouais, notre cerveau est malade. Ça va, Joe? T'as pas l'air dans ton assiette. Il faut qu'il voit un docteur. Remettez-le en selle et allons-y. Maintenant, chez toi, notre cerveau. Hein, William? Hé, hey, l'ami, vous avez un docteur dans ce bled? Ça se voit pas. Ah! Indigestion carabinée. Il lui faut un remède de cheval. Je prescris l'huile de castor, de l'élixir parégorique, peut-être un peu d'arsenic. Et du bicarbonate pour moi. Le régime pain sec fera aussi bien l'affaire, Doc. Ah! Je vais le descendre. Ménage-toi, Joe. Malade, Joe. Oh, ici, le docteur. Oh, ça va. Oh. La viande froide, Doc. Pensez-vous, je n'ai même pas eu le temps de rédiger l'ordonnance. R.S. Rattlesnake, évidemment. On vient. C'est bon, les gars. Quatre cavaliers, dont un sévèrement barbouillé, suivi par un cinquième très énervé. On les tient, Jolly. Il faudrait qu'ils mangent. C'est radical contre l'indigestion. Quand on était petit, ma me préparait toujours un bon bouillon de poule après dîner. Tu veux que je m'en occupe, William? C'est ça, Vrel. Occupe-toi. Vrai? Je peux? Puisque le cerveau te le dit. Ça va, Jack? Opportuniste jaloux d'Adelma! Ça vous montre être un jaloux de Béaveré! Bonne pioche. Et voilà ce vieux Rattlesnake. Ça, qui dit prime, dit chasseur de prime. Vous êtes sot?
c'est éteint. J'ai pas trouvé de poule, mais c'est bon aussi le bouillon de putois. Hein, Joe? Oh non! Non! Bizarre, ça a pas l'air d'être pour nous. Debout, charognard. Lucky Luke, quelle surprise! Je ne savais pas que nous chassions le même gibier. Tant mieux, tant mieux. Nous allons pouvoir nous associer et partager la prime. Tais-toi, tu me déprimes. Allez, marche. Oubliez, Coffin. Ces deux-là pètent la forme. Rendez-moi service, shérif. Collez ce buzard au trou. Minute. J'ai rien fait de mal. J'ai tiré sur ces hommes dans la tête et mis à prix. C'est un crime, hein? J'en doute. Et lui m'a tiré dessus à deux reprises, favorisant la fuite des criminels. C'est ce type qu'il faudrait coller au trou. Faut voir. Shérif, je suis mandaté par la justice pour ramener les Dalton au pénitencier. Et moi, je suis mandaté par la loi du plus offrant pour les ramener au type qui a mis 400 000 dollars sur leur tête. J'ai envie de dire que le meilleur gagne. Merci. Mon arme, je vous prie. Eh oui, mon vieux. C'est la rude loi de la libre entreprise. Bon alors, Mexique ou pas Mexique? Tu décides, c'est toi le cerveau. On a bien fait de voler ce véhicule, hein, Joe? C'est plus confortable qu'un cheval. Joe, qu'est-ce qu'on fait? Tu m'entends, Joe? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit... Je ne peux pas l'empêcher de les traquer, mais je peux l'empêcher de les descendre. Ange gardien des Dalton, il finira canonisé, mon cowboy. Qu'est-ce qu'il mijote maintenant? Si j'ai bien compris, il propose de nous livrer, de nous délivrer et de partager la prime de 400 000 dollars avec nous. Pourquoi il ferait ça? Pour retoucher la prime en nous livrant et en nous délivrant plusieurs fois. Il m'inspire pas confiance, ce type. Qu'est-ce que t'en dis, Joe? Tu peux expliquer lentement, William? Hé, Snake! Mes frères et moi avons décidé d'accepter ton offre. Ce culot! Bravo. Dans ce cas, ne traînons pas ici. Le coin n'est pas sain. Il faut reconnaître que ce coyote est convaincant. Fausse joie, Coffin. Ce n'est pas notre jour. Il n'a pas l'air en forme, le pauvre. C'est cette indigestion! Il faudrait qu'il mange! Quand je vous aurai livré et délivré, on fêtera ça autour d'une énorme côte de bœuf. Oh. Je sais ce que tu vas me dire, old boy. Mais tant que la loi est de son côté, autant le laisser faire le boulot. J'ai rien dit, moi. Je ne suis même pas censé parler. Il va falloir me confier vos armes, les gars. Si vous voulez que je vous délivre, il faut que je commence par vous livrer. C'est évident! Vivement qu'il nous délivre, hein, Joe? T'as vu toutes ces bonnes vaches? Merci. Bien gamberger, l'ami. D'habitude, je livre plutôt mort que vif, mais là, j'ai pensé que vous aimeriez finir le boulot vous-même. Vous allez en faire quoi? Les juger selon la loi. Ça vous ennuie que je reste? Mais non. On va faire un procès équitable comme nous les aimons. Il est fort, hein?
La ferme, Avrel. La parole est à la défense. Patron, ces rascals ont mangé El Fecundo, votre plus beau taureau. La défense ne voit aucune raison de réclamer la clémence. Accepté. Passons aux délibérations. Coupable. Adjugé. Au nom de l'équitable justice de l'Ouest, moi, John Glutton, juge, parti et jury, condamne ces hommes à la pendaison. À tout à l'heure pour cette énorme côte de bœuf. Tu la mangeras en enfer, crétin. Je suis un honnête chasseur de primes, pas un hors-la-loi. Ça reste à prouver, Snake. Les pendaisons privées sont illégales. La justice vous reprend ses repris de justice, Glutton. Pas question. Je paye, je pends. Allez, ramasse ton cerveau malade. En route pour le pénitencier. Empêchez-le, les gars. Un procès équitable, c'est une chose. Un duel perdu d'avance, c'en est une autre. Je mets cet état à prix. $400,000. Je prends. Hé, hey, Luc. N'y pense même pas, chacal. Tu ne tiens pas à ce que les Dalton en profitent pour se débiner encore. Ça me ferait $400,000 de plus. Qu'est-ce qu'il dit? Que si Snake descend Luc, il met $400,000 sur la tête de Glutton. Ok, je descends Luc d'abord, les Dalton se débinent, Glutton me file $400,000. Je descends les Dalton, je les livre à Glutton, il me refile $400,000. Puis, je descends Glutton, je le livre aux Dalton. Ah non, ça va pas. Quand tu auras décidé qui descendre et dans quel ordre, envoie-moi une carte postale. Allons-y, William. Stop! Pas de ça, Glutton. Si vous descendez Luc, je perds $400,000 et si Luc vous descend, j'en perds $800,000. Où est-ce que tu as trouvé tout cet argent, Joe? La ferme, Avrel. Descendu Petit Belle, ma plus belle laitière. Je mets sa tête à prix. $400,000. Adressez-vous au privé, Glutton. Moi, je suis service public. Vache! De la farine! J'en ferai de la farine! En moins de deux. Qu'est-ce que je disais? Vous restez dignes, bien entendu. Pour fêter ça, le cuistot va nous préparer une bonne grosse entrecôte à la moelle. Désolé, nous avons un anniversaire à terminer. Du calme, Joe. À la soupe. I'm a poor lonesome cowboy. Of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the
the desert, there is personne. Never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Que d'eau, tout ça me donne soif, old boy. Une limonade, format adulte. Hein? Vous avez bien raison de rire, cowboy. Je ne connais rien de plus ridicule qu'un homme en jupe. À part trois hommes en jupe, évidemment. Tu as ri, cowboy? Mais pas du tout, je... Voilà un bagarre comme je les aime, l'ami. Maintenant, entre nous, c'est à la vie, à la mort. À la mort, surtout si vous ne me lâchez pas. Une chambre pour la nuit, c'est possible? Tu ne vas pas rester dans cette bouge. Je t'invite au château. Au château? Soyez le bienvenu à MacLeod Manor. Je suis Pumperdick MacLeod, cinquième lord du nom. Lucky Luke. L'lord de quoi? Lord, si vous préférez. Mais nous disons lord pour ne pas faire comme ces pourceaux d'anglais. Joli château. C'est curieux, je n'en avais jamais entendu parler. Normal, il n'est là que depuis un mois. En découvrant cet endroit superbe, j'ai pensé, ne dirait-on pas notre belle Écosse? Or, moins vert, non? Rien à voir avec la couleur, c'est dans l'air. Ce coin sent l'Écosse. Bref, j'ai fait démonter le château ancestral de MacLeod et je l'ai importé pierre par pierre du vieux pays pour le rebâtir ici et y installer mon clan. Mangez, c'est du bon sang de cochon tout frais. Melbrook est un vrai cordon bleu. Vous allez voir son haggis, elle fait sa graisse de rognon elle-même. Ça n'a pas l'air d'être le grand amour avec vos voisins d'O-City. Oh, on les aime bien, ces pourceaux d'Irlandais. Ils ont le sang vif comme nous. C'est juste que celui de Fungus, mon Highlander en chef, est un peu plus vif que les autres. Ce n'est pas ma faute si quelqu'un rit à chaque fois que j'entre au saloon. Je n'ai pas ri. Parole. C'est ce qu'ils disent tous. Mais il a l'œil, le petit type au chapeau melon. Il voit bien quand les gens rient. Finissez vite votre black pudding. Je vous ai préparé une jelly bien tremblotante. Excusez, la jelly. Bonne nuit, Lucky Luke. Bonne nuit, Laird. Et ne vous inquiétez pas si vous entendez des bruits de chaînes. C'est Pompus le Laird sanglant, le fantôme du clan. Je ne pouvais pas le laisser en Écosse. Belle allure. Mais il danse pire qu'un mouton. Pressons, pressons! C'est déjà assez pénible d'être en jupe, alors si vous pouviez arrêter de rire. C'est nerveux. Vous avez compris ce que vous avez à faire, bande d'abrutis? Oui, patron. Alors allez-y.
Et rappelez-vous, au moindre accroc, je garde les pantalons. Il y a un courant d'air là-dessous, je vous dis pas. J'avais dit 90 degrés. À mon commandement, lancez! Je croyais la région pacifiée. Pourquoi cette soudaine poussée de fièvre? Aucune idée. Ces pauvres soldats indiens se sont toujours montrés amicaux avec nous. Il vaudrait mieux que je tire ça au clair. Dégoûtant, ces nouveaux copains. Eh bien, chef, on dirait qu'une tempête s'est abattue sur ton camp. Black Cloud a tempête sous scalp et des boules comme ça dans gosier. Hé hey! L'homme blanc a bien raison de rire. Mais pas du tout. Mes braves se sont couverts de honte. Cette nuit, ils dormaient comme crotal en hiver, pendant que les hommes en jupe saccageaient le camp. Et ce matin, c'est la raclée du siècle. Des hommes en jupe? Quatre, habillés comme squaws et enragés comme chacals. Ils ont tout cassé, sans raison. Oh. Bizarre. Mes Écossais ont dansé la gigue toute la nuit. Brave, tout ramolli. Ils ont besoin d'une bonne guerre. Black Cloud regrette d'avoir signé les traités de paix. Peinture rituelle, foutu. La piste va vers O-City. Je vais retrouver tes vandales, Black Cloud. L'homme blanc ne pourrait pas me trouver un schéma de montage pour Grand Tipeee, tant qu'il y est. Debout là-dedans! Vous n'auriez pas vu nos pantalons? Debout, j'ai dit! Maudit courant d'air. Shérif, ces hommes ont saccagé le camp indien en se faisant passer pour des MacLeod. Mettez-les-moi au frais pendant que je dissuade Black Cloud de repartir sur le sentier de la guerre. Oh non, pas au frais. MacLeod, Black Cloud, pas clair votre histoire. Justement, il serait intéressant de connaître les motifs de cette agression. Passionnant. Alors? J'aime pas les Indiens. Je déteste les Indiens. Je vais les Indiens. Pas mieux. Ben voilà, vous savez tout. Monsieur, oh my god, que me vaut l'honneur. Râteau, postard. Il paraît que ces abrutis se sont encore distingués. Je paye la caution, mais c'est la dernière fois. 50 cents pièce, ça va? Déduisez ça de votre prochain loyer, Ostar. Dehors, vous autres. Je vais vous en payer, moi, des cautions. Une minute, oh my god. J'aimerais savoir... Je ne parle pas aux hommes qui parlent aux hommes en jupe. Oh. Dites. Je ne parle pas aux types qui parlent aux... Moi, je te parle, tête de dingue. Dis-moi une chose. Qu'est-ce que vous leur reprochez aux Écossais? C'est vestimentaire. Leur petite jupette, ça nous fait rire et après, ils cassent tout. Retenez-vous de rire. On essaie. Mais oh my god, à l'œil, ils voient bien quand les gens rient. Même quand ils ne rient pas. Eh bien, faites taire, oh my god. Facile à dire. Ils possèdent tout ici. Le saloon, la banque, la prison. Tout au City lui appartient, en fait. Voilà, Black Cloud, tu sais tout. Tes hommes en jupe étaient de faux hommes en jupe. L'honneur de la tribu a-t-il été lavé dans rivière de sang et torrent de larmes? Pas vraiment, mais ils ont attrapé un gros rhume. Gros rhume, nettement insuffisant. Grand esprit exige bain de sang. Sur ce, Black Cloud doit prendre congé pour aller diriger atelier de stratégie. Les braves s'entraînent dur, mais ils restent pémicans sur la planche. C'était une provocation et les Indiens sont tombés dans le panneau. Il faut arrêter ce conflit ridicule. La loi du Tartan est formelle. Quand un ennemi attaque, c'est l'insulter que de ne pas le massacrer dignement.
Cette région est pacifiée, MacLeod. Vous n'allez pas réveiller les guerres indiennes pour... Vous préférez réveiller la colère de Pompus le Laird sanglant? Notre esprit de famille est très à cheval sur l'étiquette. Je ne sais plus qui surveillait Old Boy. Les clowns d'O-City, Black Cloud ou les MacLeod? C'est kilt ou double? Esprit venu te visiter, Black Cloud. Toi, ressaisir-toi, Black Cloud. Après lamentable défaite de ce matin, âme des anciens criait vengeance. Oh, grand esprit. Le souvenir de cette bataille me couvre face de honte et orteils de crachat. Demain et bonjour pour mourir. Tes braves massacrer ridicules hommes en jupe ou périr jusqu'au dernier. Mauvais conseil, grand esprit. Mauvais schéma de montage. Black Cloud l'avait bien dit. Chut. Les grands esprits se rencontrent. Seul de tes Highlanders n'a versé une goutte de sang. Qu'est-ce que c'est que cette bande de mots du kilt? En plus, toujours le sang aussi vif. L'ultime combat est pour demain. Préviens tes braves, s'ils ne se battent pas jusqu'à la mort, le clan des MacLeod sera anéanti et la colère du Laird sanglant te poursuivra pour les siècles des siècles. Il sera fait selon tes vœux, ô cruel aïeul. Vous commencez sérieusement à me pomper, Pompus, ou qui que vous soyez. Sacrilège! Ah! Ce rascal connaît les passages secrets du château comme sa poche. Non seulement il les a bâtis, mais ça fait 350 ans qu'il les hante! Bougre de mécréant! Par les culottes de MacGregor! Le pauvre garçon s'est fait mal! Il lui faut un emplâtre à la graisse de rognon. Laissez, c'est bon. Pompus est revenu. L'ultime combat est pour demain. Boutons l'Indien ou trépassons. Quelque chose te fait rire, cowboy? Rien, j'en ai juste assez des gens qui ne pensent qu'à trépasser. Personne ne trépassera. Dis donc, pourceau d'Américain. Tu tires sur notre Pompus, tu fais des trous dans nos plafonds, et maintenant tu prétends nous empêcher de trépasser? Votre Pompus n'est qu'un imposteur. Quoi? Attention, Lucky Luke. Jusqu'ici, je vous considérais comme un ami. Mais là, vous êtes à ça de vous faire massacrer dignement. Appelez plutôt votre bagpiper, MacLeod. Un massacre en musique? Bonne idée. Le massacre attendra, fougueux fungus. Pour l'instant, il s'agit seulement d'aller réveiller les fantômes. Allô? Qu'est-ce que je vous joue? Ce que vous voulez, mais à fond les ballons. George, la vache bébé. Assez! Silence! C'est un tourbillon! Y a le feu? C'est ça, vu! C'est monstrueux! C'est inhumain! C'est écossais! Tapage nocturne! Violation de domicile! Voie de fait! Ça va vous coûter bonbon! Qu'est-ce que vous faites? Vol avec effraction! Shérif! Shérif! Laissez le shérif tranquille, oh my god. Je crains qu'il n'y ait personne pour payer la caution cette fois. Ah, les voilà.
J'en étais sûr. Et alors? Ma vie privée ne vous regarde pas? Ce qui me regarde, c'est que les Indiens vont repartir à l'attaque de MacLeod Manor au lever du jour. Nous avons juste le temps d'arrêter le massacre. Venez. Où ça? Au château. Ah! Jamais! Je ne parle pas aux... Oh que si, vous allez leur parler. Je suis sûr que vous avez des tas de choses à vous dire. Luc? Qu'est-ce qui vous prend? Cet homme m'a tiré dessus, shérif. Très bien, je fixe la caution à... Oublions la caution. Je vous le rapporte dès que je n'en ai plus besoin. Il pèse son poids pour un esprit. Backpiper, en avant. Oh, assis! Arrêtez cette torture! Homme en jupe, gros tricheur. Il refuse de se battre avec tonnerre qui gronde ou armes réglementaires. Tu aurais dû écouter mes paroles de paix, ô sachet m'obstiné. Il bombarde mes braves avec pâté pour chacal et eau brûlante comme pipi de bison. Résultat des courses, Black Cloud va devoir expliquer une nouvelle raclée humiliante au grand esprit. Ne te tracasse plus pour le grand esprit et suis-moi, chef. On va régler ça. Stoppez le thé, c'est moi! Je vous ramène votre fantôme, Laird, en chair et en os. Je ne connais rien de plus ridicule qu'un homme en chemise de nuit, mais... Ah! Un fantôme, peut-être pas, mais un revenant, c'est sûr. Paddinglock. Paddinglock MacLeod. Ainsi, c'était toi. Cet étrange parfum d'écorce qui m'a attiré dans le coin, c'était toi, Paddinglock MacLeod. On peut savoir ce qu'il y a de drôle? C'est une vieille histoire. Le jeune Paddinglock était le portrait craché de son aïeul Pompus. J'ai vu. C'est le tableau de la galerie des ancêtres qui m'a mis sur sa piste. Et il avait le même caractère de cochon. J'ai remarqué ça aussi. Aucune fille de la vallée ne voulait de lui. Alors un soir qu'il n'avait plus tous ses sens, il a fauté avec Grok, la plus ignoble des McBeastly. On en rit aujourd'hui, mais à l'époque, vous n'imaginez pas le scandale. Non. Le clan Honey des McBeastly, la Lee des Highlands, le Laird Pompernel, mon père, a banni Paddinglock. Ainsi, tu portes un nom irlandais à présent. J'ai renié mon clan, mon tartan et mon kilt. J'ai vomi le haggis. Je hais le lancer de tronc. Je me suis établi ici, très loin du vieux pays, sous une identité d'emprunt. J'ai fondé au City. J'aurais pu vivre tranquille et riche, mais non. Il a fallu que tu viennes me planter ton maudit château sous le nez pour me rappeler chaque jour mon exil et ma honte. Du coup, vous avez voulu détruire MacLeod Manor, enfin, le faire détruire. Voilà. Je voulais le voir en cendres, ce manoir Honey. Et c'est pour ça que vous avez failli réveiller les guerres indiennes? Pourquoi failli? Enfin, chef, tu vois bien qu'il s'agit de vieilles querelles de clans. Les querelles de clans, Black Cloud s'en tamponne le carquois. Le code d'honneur du fier peuple des plaines est formel. Toute bataille commencée doit être terminée. Bravo! La loi du tartan ne dit pas autre chose. Si le chef veut reprendre l'assaut où il l'a interrompu, mes braves se feront un plaisir de massacrer dignement les siens. On va peut-être freiner sur les massacres, hein? Il y a sûrement un moyen plus civilisé de régler le problème. Ah oui? Lequel? Je crois que j'ai trouvé un moyen tout ce qu'il y a de civilisé de les massacrer. Est-il bien judicieux de lui confier l'arbitrage? C'est le meilleur choix, croyez-moi! Ceux qui font mal. Hey, oh, ho, ho, hey, oh, ho.
ses poings en avant, il n'est pas sifflé. Pourquoi ? Le massacre a peut-être assez duré. Qu'est-ce que vous en pensez ? Si le chef est d'accord, on peut cesser les hostilités. D'accord. À condition de remettre ça l'an prochain. Mesquin, ça, le tournoi des deux nations. L'an prochain, j'exige l'inscription d'une équipe irlandaise. Paddinglock, je suis fier de toi. Tu as montré que tu savais endurer comme un vrai MacLeod. Je te rends ton rang dans le clan et je t'invite au château pour la troisième mi-temps. Lick-a-lick, en remerciement des services rendus, je te fais Highlander d'honneur du clan MacLeod. Hey! Il n'a même pas fini son black pudding. I'm a bold lonesome cowboy. Of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who is Caballero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Alerte ! Alerte ! La banque a été pillée ! Regardez ! Ils sont passés par le toit ! Messieurs, je suis au regret de vous informer que vous venez d'être victime de Pepper Mint. Pepper qui ? Pepper Mint, le roi des monts en l'air. Mais comment savez-vous ça, étranger ? Sa signature. Il fait une consommation immodérée de ses pastilles de menthe. Il digère mal ? On ne sait pas. On ne connaît ni son nom, ni son visage. C'est pourquoi on le surnomme Pepper Mint. Et vous le pourchassez, c'est ça ? Depuis l'Arizona. Shérif ? Si vous ne connaissez ni son visage ni son nom, à quoi le reconnaîtrez-vous ? À son haleine mentholée. Pour ton repos comme pour le nôtre, un édredon de plume vaut mieux que 10 grammes de plomb. Qu'est-ce que t'en dis, Jolie ? Pour une ville étape, ça paraît bien. Offre-toi un bain chaud et double ration de picotin. Je vais pas faire de vieux os, moi. Monsieur, monsieur! Les patins, monsieur! C'est le règlement! Limonade, grand format. Oh, on ne sert rien d'aussi fort ici. Tisane, si vous voulez. Camomille? Verveine menthe, plutôt.
Vous êtes sûr d'avoir besoin d'un excitant? Vous devriez me le confier. Il n'est pas recommandé de se promener armé à Slumberville. Merci, je ne sors jamais sans lui. C'est très calme, votre ville. Oui, vous êtes venu pour... En fait, je cherche un ami. Vous ne trouverez que des amis à Slumberville. Mon ami raffole de ses pastilles. Vous ne l'auriez pas vu par hasard? Mente forte. Oh, c'est pas le genre de la maison. Monsieur, bienvenue à Slumberville. Merci. Willow Woolipilo, constable de cette paisible localité. Et vous comptez vous en servir? En principe, non. Tant mieux. Parce que, voyez-vous, nous nous méfions des armes à feu. Moi-même, je n'en porte jamais. Vous venez pour... Je me demandais, vous avez une banque ici? Le bâtiment en réfection, avec un homme sur le toit. Vous ne pouvez pas vous tromper. Si c'est pour déposer votre... Je peux vous le garder. Merci, mais je me sens un peu nu sans... Bonjour, bonjour. Excusez-moi, j'étais sur le toit. J'ai vu ça. Des tracas récents? Des tracas? Oh, ça? Non, non, la routine. C'est pour un dépôt? Vous gardez beaucoup d'argent dans ce coffre? De l'argent? Oh non, nous ne gardons jamais d'argent ici. En revanche, si vous voulez déposer votre arme... Merci, je repasserai. Cette ville est très bizarre, old boy. Un saloon qui ne sert que de la tisane, un agent sans armes, une banque sans argent... Ma bonne Bertha. Vous voyez, porter une arme, c'est s'exposer à la tentation de dégainer. Qu'est-ce que c'était, Woolipilo? Ça, le révérend Calvin Wrightstuff, notre merveilleux pasteur volant dans l'une de ces drôles de machines. Vous êtes tous atteints dans cette ville. Je sais, c'est toujours déconcertant la première fois. Vous comprenez pourquoi nous devons rester zen. Allez, rangez ça, vous allez finir par blesser quelqu'un. Vous venez d'avoir votre baptême de l'air. Je vous conseille la fleur d'oranger, ça apaise. Donnez-moi plutôt des pastilles de cette marque. Fresh Brothers. Voyons. Ah, voilà. Vous en vendez beaucoup? Rarement. C'est trop fort pour les gens d'ici. Aaron, un grand flacon d'alcool iodé, des compresses de gaz, un pot de baume au camphre. Ah, de nouveaux essais en vue, Bertha. Silence, Aaron, on est trop. Les oreilles n'ont pas de mur. Vous me mettrez aussi 6 boîtes de pastilles Fresh Brothers pour le baron. Y'a un vrai boom sur la mande forte. Qui est-ce? Bertha, la gouvernante du révérend Wrightstuff. Faut pas lui en vouloir, elle est obsédée par les espions. Les espions? Les machines volantes du révérend attisent bien des convoitises. On se demande pourquoi, d'ailleurs. Personnellement, j'ai refait 66 fois ma toiture. Mais ça va mieux à présent. Ils tombent surtout sur la banque. C'est le drame avec les armes. Emporter, c'est dégainer, dégainer, c'est tirer. Je le confisque, vous le récupérerez en partant. Qu'est-ce que c'est? Je voudrais voir le révérend Wrightstuff.
Vous êtes journaliste? Non. Espion, alors. Nous ne serons jamais prêts à temps, révérend. Patience, baron. Rome ne s'est pas faite en un jour. Rome peut-être, mais le jour J, c'est dans deux jours. Rien que d'y penser, j'ai... des nausées. Hein? Boulifilo, j'ai besoin de mon arme. Vous le quittez déjà? Je dois appréhender un dangereux criminel qui se cache au presbytère du révérend Wrightstuff. Ridicule! Le révérend défie les lois de la gravité, pas celles de la société. L'homme se fait appeler le baron, mais c'est le roi des montants l'air. Qu'est-ce qui vous fait croire que cet aristocrate serait un criminel? La prise de la pastille. Je me demande si vous n'êtes pas encore plus atteint que nous. Il vaut mieux sortir, c'est comme pour les tremblements de terre. Au début, il y en avait qui ne pouvaient pas s'empêcher de lui tirer dessus. D'où les armes à la banque. 50 sur de la banque. L'église à 30 contre 1. Je savais que ça finirait par payer. Seigneur, notre échelle est trop courte. Laissez, on s'en occupe. Pas de doute, c'est cassé. Le chemin du ciel est pavé de fractures. Pour celle-ci, prévoyez un mois dans le plâtre. Un mois? Mais le jour J est dans deux jours. Un pilote, il me faut un pilote, fixé. Sans façon. Et parmi vous, un volontaire? Moi. C'est un énervé, il a besoin de se dépenser. Ainsi, mon garçon, la conquête de l'air vous intéresse? Je serais plutôt conquête de l'Ouest, mais ça ne m'a pas l'air très différent du rodéo, votre truc. Préparez-vous à chevaucher les nuages. Yaha! Aïe! Remuez pas tant, révérend. Vous ne connaissez pas l'irremplaçable Bertha, ma gouvernante, et l'ingénieux Fixit, mon mécano. Lucky Luke, cowboy terre à terre. Qui nous dit que c'est pas un espion? Un espion, comme c'est distrayant. Et voici le baron Von Flaps, mon généreux commanditaire. Baron, je vous présente Lucky Luke, notre nouveau pilote d'essai. Badwin Von Flaps, pour vous servir. Vous volez, baron? Moi, voler? Certainement pas. Je suis sujet au mal de l'air. Nerveux? C'est mon seul cavalier, j'y tiens. Vous pompez ici, le clapet s'ouvre là, la pression monte et le régime augmente. Si le clapet ne s'ouvre pas, commencez à prier. Ne l'écoutez pas, mon garçon. Mon calvinoptère est une machine très sûre. Pompez, 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 pompez. Comme un sou neuf. Oh, merci, merci. T'es nul. Il a touché aucun toit. Oh, magnifique, mon garçon. Vous avez l'étoffe des héros. Les héros sont déchirés. Ah.
mangez pas, Baron? Manger à 36 heures de à jour J. C'est quoi au juste ce fameux jour J? La présentation du Calvinoptère, après-demain à Fort Big. Fort Big? La plus grande base militaire de l'État. Si l'appareil réussit son vol de démonstration, l'armée financera nos travaux. N'est-ce pas, Baron? Si l'appareil réussit son vol. Non. Pompez ici. Le clapet s'ouvre. Pression, régime. Pompez, pompez, pompez. Espion ! Pas du tout, je m'entraînais à l'altitude. Vous êtes un as, Luc. C'est juste un coup à prendre. Un tour, Baron, je sens que vous en mourrez d'envie. Nous devons d'abord tester sa capacité en charge. Capacité en charge? Oui, je veux... L'armée veut un appareil capable de transporter des choses lourdes. Quel genre de choses? Je ne suis pas d'accord du tout. Moi non plus. Vous voyez, pas plus compliqué à piloter qu'une chaise. Vous voulez essayer? Ne lâchez pas les commandes! Je ne sens pas mûr pour l'aviation. Ouais, on devrait l'appeler le Baron Vert. Fort Big. Halte-le, on passe pas. Sergent, il faut que je voie votre commandant. On dérange pas le commandant de Fort Big pour le premier civil venu. Il est très occupé, le commandant de Fort Big. De la part de Lucky Luke. Connais pas, demi-tour. Je suis le pilote d'essai du révérend Wright Stuff. C'est ça, et moi la cinquième fille du docteur Marsh. Allez, allez, circulez. Nerveux, ces troufions. Ouais, on se demande ce qu'ils gardent comme ça. Un civil. Un civil. On n'en voit pas souvent à Fort Big, des civils. À Fort Big! C'est quoi d'ailleurs Fort Big? Chut! Top secret. Et vous? Vous buvez quoi? Chut! Top secret. Barman, remettez-lui ça. Et alors là, le Mustang lui fait: mon brave, si les percherons volaient, vous seriez chef d'escadrille. Get up, old boy. Je sais tout.
Bien joué, Jolly. Tu m'avais caché tes talents balistiques. C'est pas forcément le truc qu'on réussit deux fois. Il a volé le calvinopter! Le malheureux n'ira pas loin. Le baron, un espion? Non, c'est Peppermint. Pepper qui? Le roi des montants l'air. Tout est là, c'est clair. Soyez-le également, mon garçon. Suffit de savoir que Fort Big abrite la réserve monétaire de l'État. Secret bien gardé. Des millions de dollars en billets neufs entassés dans les coffres de cette forteresse. Le baron m'a berné. Disons qu'il n'a pas la même conception du vol que vous et moi. Que faire, Seigneur? Que faire? Je ne vois qu'un moyen. Allez, allez! Sauvez l'honneur des ailes, Lucky Luke! Gaffe quand même, hein, les stabilisateurs sont pas stables. Pour le roi des montants l'air, je trouve que tu es tombé bien bas, Peppermint. Yeah, je suis vert. C'est qui le type tout vert? Un martien. Cette fois, je pense que le commandant va nous recevoir. Mon cher Luc, vous m'avez ouvert les yeux sur l'usage mauvais que l'homme pourrait faire de mes machines. Je renonce à l'aviation. Ce sont les toits qui vont être contents. Alors, Luc, on rend le manche? Je crois que je préfère encore le plancher des vaches. Faites-en bon usage. Voyez-vous, Wooly Pillow, je pense que je vais me consacrer à une discipline plus profitable au bonheur de l'humanité. Ah, et laquelle, révérend? La fission de l'atome. I'm a poor lonesome cowboy. Of Ohio, wearing his beautiful chapeau but who's his cavaliero? The Emperor of the Far West, when he begins his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In
the desert, there is person. Never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il a pas peur de personne. Pénitentiel et Dalton demandent une fois de plus leur transfert, monsieur le sous-secrétaire d'État. Eh bien, envoyez le nouveau formulaire type de refus. Oui, monsieur le sous-secrétaire d'État, le formulaire 8047G. Non, excusez-moi, c'est le 1483D. C'est ça, c'est ça. Excusez-moi, monsieur le sous-secrétaire d'État, mais le service a quelques difficultés avec la nouvelle numérotation des formulaires que vous avez génialement initiée. Entrez, Jones, entrez. Jones, je viens de recevoir la réponse de l'administration centrale concernant ma demande de transfert des Dalton. Nous prenons acte du décès de Joe, William, Jack et Avril Dalton. Appliquez la procédure 87, alinéa B. Ils m'ont l'air bien vivants pour des morts, monsieur le directeur. Je sais, Jones. Mais devons-nous croire nos yeux ou un formulaire dûment estampillé et signé par le sous-secrétaire d'État? Oh, vous savez, mes yeux, ils sont plus très bons, monsieur le directeur. Bien, procédez à la libération immédiate de la cellule. Et que fait-on des... corps? Ça va pas! Qu'est-ce qui vous prend? Mais j'ai pas fini mon caillou! Un caillou que je cassais avec amour depuis 3 semaines! Mon caillou! Crétin! Oh! Ouvrez! J'exige des explications! Vous n'avez plus rien à faire ici. Vous êtes mort et la place des morts, c'est pas dans un pénitencier. Comment ça, on est mort? Hein? Ben ça, je me suis rendu compte de rien. On est toujours les derniers prévenus. Il est arrivé quelque chose à quelqu'un? D'abord, je sors si je veux et quand je... N'insistez pas, puisqu'on vous dit que vous êtes mort. J'imaginais pas ça comme ça. Joe, c'est vrai qu'on est mort? Ah, j'en sais rien. Mais on est libre! Je préférerais être libre vivant que mort, Joe. Mais qui est mort? Mort et Dalton, la fin des pires bandits que l'Ouest ait connu. Le décès des Dalton a été confirmé par le sous-secrétaire en personne. La cause du décès au moment où nous mettons sous presse n'a pas encore été communiquée. La rumeur parle d'une crise d'appendicite aiguë. Il s'est fait avoir. Y a pas de sandwich dans le journal. Tu vas t'ennuyer maintenant, cowboy. Tu ne trouves pas ça curieux, Jolly, que les 4 Dalton meurent d'une crise d'appendicite au même moment? Je suis mort de faim. Tais-toi, Avril. T'as qu'à sucer ton caillou, imbécile. Une diligence? Ça tombe bien, on a besoin d'armes. De chevaux. De pognon. De manger. Les Dalton. Mais enfin, c'est impossible. Le journal dit qu'ils sont morts. Les fantômes. Je préférais quand j'étais vivant. Les gens nous filaient leur pognon avant de filer comme des voleurs. On est mort. On est mort. On est mort. T'as pas de quoi rire? Puisque tout le monde...
monde nous croit morts. Lucky Luke ne peut pas nous arrêter. Vous avez bien entendu ce qu'a dit le gardien chef. La place des morts n'est pas dans un pénitencier. Non, c'est dans un cimetière. Ferme-la, Avrel. On va donc rester mort un certain temps, mais pas des morts inactifs. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Les fantômes de Dalton ont attaqué la porte de Lickage. Me voilà rassuré. Allons voir ces fantômes d'un peu plus près, mon vieux Jolly. Tout ce que tu veux, cowboy, mais par pitié, que l'andouille à pattes ne nous accompagne pas. Hé, hey, regardez, je sais faire le beau. C'est la tête qui doit être en haut, pas la queue, crétin. Cet animal m'admire, c'est certain. Allez, Jolly, à la chasse aux quatre ectoplasmes. Il ne faut pas confondre ectoplasme, spectre et fantôme. Vous êtes Lucky Luke? Irina Blablaski, présidente de la Société des Amis de l'Au-delà et médium. Enchantée, madame. Gertrude m'a dit que vous aviez l'intention de chasser les fantômes des Dalton. Qui est Gertrude? C'est l'esprit d'une valkyrie qui s'est emparée de ma jambe gauche. Quand ma jambe se met à danser, c'est que Gertrude a quelque chose à me dire. Vos armes ne serviront à rien pour chasser les fantômes. Ce qu'il faut, c'est un cornitouillon qui paralyse les fantômes. Vous agitez le cornitouillon, les fantômes sont paralysés et moi je peux alors les prendre en photo. Ce n'est pas sorcier. Il faudrait qu'ils restent sans bouger 9 minutes au moins, sinon ils seront flous. Or, il faut que la photo soit bien nette si je veux convaincre ce monde incrédule que les fantômes existent bel et bien. Hé, attendez! On pourrait demander aux pénitenciers qui nous rendent nos boulets. Ça ferait encore plus fantômes. C'est toi le boulet, Avril. Ils ont pas l'air d'avoir la trouille, Joe. Hé, les gars, vous êtes dingues? On avait dit qu'on ne sortait ces costumes que la nuit. Personne n'a jamais traité Joe Dalton de dingue! Si, une fois, je me souviens... La ferme, Avril! Les Dalton, les Dalton, les Dalton fantômes! Ah. À la banque! Yippee! Voyez pas aux fantômes qui attaquent des banques, vous avez tort. Les morts font souvent ce qu'elles faisaient lorsqu'ils étaient vivants. Excusez-moi, Miss Blablaski, mais j'ai l'intention d'attraper les Dalton tout seul, morts ou vifs. Vous aurez besoin de moi. C'est Gertrude qui me l'a dit. Ah! Aïe! Va chercher une corde, Pete. Emmett, trouve un arbre. Oh, allons bon, c'est un pêcheur de pendre un rond de Lucky Luke. Que se passe-t-il ici? Ben, on marchait tranquillement les bêtes quand cet indien a surgi. Je ne suis pas indien, mais hindou. Il a insulté nos ancêtres. Il les a traités de vaches. Je leur ai simplement dit qu'il ne fallait pas faire de mal aux vaches, car elles sont les réincarnations de leurs ancêtres. Il a arraché le brandon des mains de Bob et il lui a brûlé la fesse avec. Ce n'est pas moi, c'est Vishnu par ma main qui... Maître, oh maître, enfin je vous ai trouvé. J'ai parcouru les terres, traversé les océans dans l'espoir de ce jour. Je veux bien jouer à la babale, mais j'en ai pas. Oh, vénéré Shri des Shambhara au nom sacré. Maintenant, je ne vous quitterai plus. Lucky Luke, tu veux toujours pas qu'on le pende? Encore plus peur mort que vivant. Les gens nous tirent même pas dessus. Ouais, mais cet imbécile d'Avril a failli tout gâcher. Bah les fantômes, ça traverse les murs normalement. Yayami, jaja. Jaja, yayami. Havana, yayami. Gertrude me dit que cet hindou émet des ondes magnétiques négatives. Yayami aussi, Havana. Maître, vous êtes parti sans me révéler l'ultime vérité. Maître, dites quelque chose. Touffe pas mon enflinguin. Gertrude ferait mieux de vous dire que vous êtes couché sur une fourmilière. Hein?
je sens que vous ne croyez pas au magnétisme. Ah si, moi j'y crois. Comment expliquer sinon que nous attirons tous les détraqués de la planète ? C'est tombé, les gars, c'est Lucky Luke! Gertrude me dit que les fantômes ne sont pas ici. Ils seront là. Paradise City possède, outre un nom charmant, la seule banque de la région qu'ils n'ont pas encore dévalisée. Maître! Maître! Je vous en prie, ne me laissez pas dans les ténèbres! Je rends pas mon âge! C'est très mauvais pour votre karma! Vous mettre en colère. Vous en faites un peu trop, Barati. Et vous alors, avec votre Valkyrie dans la jambe? Taisez-vous! Cessons cette concurrence idiote et partageons en deux le million de dollars. Que proposez-vous? Empêchez Lucky Luke d'arrêter les Dalton et moi je les prends en photo. 500 000 pour les amis de l'au-delà. Et 500 000 pour les adeptes de Vishnu. Attendez, comment vais-je l'empêcher d'arrêter les Dalton? Vous avez bien un truc hindou. Je sais! Je vais l'endormir à distance. C'est lassant de faire les fantômes. Je préférais qu'on était vivants. Les gens nous parlaient au moins, même s'ils claquaient des dents. C'est vrai, Joe. On n'a plus de vie sociale. Bon, d'accord. On va s'amuser un peu en ville avant d'attaquer la banque. Ça mange quoi, les fantômes? Yami Jaja, Jaja Yami, Ami aussi Havana. Ah! J'étais mort de soif! Vous avez compris? Mort de soif! J'ai fait un jeu de mots! Si c'est pour s'amuser comme ça, autant qu'on attaque la banque tout de suite. Lucky Luke! Ah! Oh! Y'a quelqu'un? Oh, y'a personne dans ce saloon? Hé, Joe! On dirait qu'il nous voit pas! T'es un coyote pourri, le kid! Il nous entend pas non plus, Joe! Un truc toi faisant des... un lombric brûlant! Je vais te buter, le kid! Je vais te buter! Je vais te buter, t'entends? Hé! Hey, tu m'écoutes? Pourquoi il nous voit pas? C'est vrai, ça, Joe. C'est comme si on n'existait pas. On est peut-être vraiment devenus des fantômes, Joe. Y a qu'une seule façon de le savoir. Vous voyez bien, ça réussit pas à tous les coups. Sous des dehors d'aventuriers désabusés se cache une âme d'enfant espiègle. Ça n'a pas marché. Ça n'était pas la bonne posture. Tranquille. Ici. J'en ai marre de me faire désarmer. À force, ça fait des bleus. C'est moi qui vais t'en faire des bleus. Laissez-le moi. Bon, Assyrie, vous savez quoi faire. Tu peux rien contre nous, Luc. On est mort. Même qu'on a été renvoyé du pénitencier. C'est-à-dire si on est mort. Je vous trouve bien bavard pour des défunts. Au secours! Oh. À moi! À l'aide! Soyez sage, je reviens. À l'aide! Ils ont bougé. Aïe, fouille. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Mais aïe. Ouais, normal, ouais.
non. Vous saviez qu'ils allaient venir. Vous avez laissé les habitants de cette ville à la merci des pires fantômes que l'Ouest ait connus. Les Dalton ne sont pas des fantômes. C'est vous qui le dites. Je les ai vus de mes propres yeux disparaître dans un nuage de fumée, comme je vous vois. Ce sont des fantômes. Que pouvons-nous faire? Attendez, je vais demander à Gertrude. Gertrude dit qu'il faut se passer un piment rouge sur le derrière et tourner à cloche-pied autour de la ville, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Joe, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Y a rien à voler? Une ville fantôme, c'est une planque idéale pour des fantômes, non? J'ai entendu parler de cette ville fantôme, Joe. On dit qu'elle est hantée. Si elle l'était pas, maintenant elle l'est, hein. Joe, qu'est-ce qu'on vient faire ici? Y a rien à manger. Mes félicitations pour vos trucs hindous, ils sont vraiment efficaces. Vous pouvez parler? Vous n'avez même pas été fichu de prendre une photo. Tiens, où est passé Lucky Luke? Pourquoi tenez-vous tant à prendre les Dalton en photo? Aïe! Allons bon, maintenant que j'ai une baballe, voilà qui veut plus jouer. Avant de mourir, le colonel G.G. Spencer Davis, président d'honneur des Amis de l'au-delà... Et membre bienfaiteur des adeptes de Vishnu... a légué toute sa fortune... $1 million... à celui ou à celle qui réussira à prendre un fantôme en photo. Eh bien, il va vous falloir photographier d'autres fantômes que les Dalton, car je vous le répète, les Dalton sont bien vivants. Voilà qui explique pourquoi le cornitouillon n'a pas fonctionné. Puisque c'est comme ça, je vais trouver quelqu'un d'autre pour jouer. Pour une fois que nous avions des fantômes, en chair et en os. Hé, le castor, tu joues avec moi? Les babales se mangent? Si j'avais su... Vous vous rendez compte? 5 ans que nous sillonnons les États-Unis à la recherche de fantômes. Bon, un orage se prépare. Allons nous réfugier à Noé Gulch. Ça vous plaira? C'est une ville fantôme. Un fantôme? Gertrude me dit qu'il y a un fantôme à Noé Gulch. Tu disais qu'il n'y avait rien à voler ici? Oui! Mais Joe, j'ai rien fait! Oh. C'est pas moi, Joe. Si ce n'est toi, c'est donc qui? C'est Roger. C'est un esprit frappeur. Il est gentil. Moi aussi, je me sens l'esprit frappeur. Mais moi, je suis pas gentil. On est bien d'accord. Vous vous débrouillez pour que le fantôme reste 9 minutes sans bouger. Sinon, il sera flou. Et s'il veut pas rester immobile? Vous avez déjà essayé d'immobiliser un fantôme, vous? On arrive à temps pour le feu d'artifice. C'est Avril qui me chatouille. C'est pas moi, c'est Roger. Imbécile, feu! Debout les morts, vous savez quoi faire. On va attendre que la pluie cesse. Ouh. 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 Mais pourquoi? Pourquoi ça finit toujours comme ça? C'est normal, Joe, quand on y réfléchit. Il a 6 balles et on n'a que 4. Oh, la belle blanche. J'adore les feux d'artifice. C'est vous qui le faites fuir, espèce d'hindou à la manque. On peut très bien être hindou sans être né en Inde. J'ai suivi des cours par correspondance. Mais j'ai rien fait. Roger, c'est pas bien. Excuse-toi. À qui parlez-vous, mon garçon? À Roger. Je le vois là. Il est à côté de vous et il me tire la langue. Monsieur Luc, ce garçon est médium. Il faut absolument le détacher. Hé, hey, moi aussi je suis médium. Là, je vois un Robert. Moi aussi je vois un Robert. Moi des Robert, j'en vois tout le temps.
Vous en avez de la chance. Allô, Roger. La dame et le monsieur, ils veulent seulement que tu te mettes un drap dessus juste le temps de te photographier. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, il veut qu'on s'en aille. On lui fait peur. Oh non, c'était une farce. En fait, il veut 80% du pognon que vous ferez avec cette photo. 50 75 À juger. Debout les morts. Le temps se lève. Nous allons nous mettre en route. Tu perds ton temps, les coquins pénitenciers ne voudra de nous. Nous n'allons pas au pénitencier. En temps plan. Paraît qu'il y a un oiseau là-dedans. Il est toujours là? Alors, on est bien d'accord, Roger. Tu ne bouges pas pendant 9 minutes. Ah, te voilà, toi. Allez, on s'en va. C'est faux. Il n'y a aucun oiseau dans cette boîte. D'accord, d'accord. Ils sont vivants, mais qu'ils s'en aillent. Bon, eh bien, vous allez me le consigner par écrit, avec cachet du ministère. Il y a du dysfonctionnement dans le système de classement. Vous allez me réviser la numérotation des formulaires. Oui, monsieur le sous-secrétaire d'État. Alors ? Il faut la refaire. Où est Roger ? Roger ! Roger ! Roger ! Hé, Joe ! Tu devineras jamais qui vient nous rendre visite. I'm a full lonesome cowboy.